Et ben on est parti. Eh ben bonsoir à tous. Alors, nous étions censés jouer hier. Seulement j'ai essayé la nourriture un peu exotique. Donc finalement on joue que ce soir. C'est ça. Bienvenue sur ce deuxième épisode de Ombre sur Boganafun. Deuxième partie de la campagne impériale. Donc vous êtes à Boganafun. Béatrix, tu étais en train de te reposer au temple de Verena, les autres vous avez bagnodé sur la fête. Dormtal, il me semble que tu te trimbales toujours avec un agneau. Oui, il en a gardé un en laisse, je le sais, Verena l'a dit. Oui, mais je comptais le donner au temple de Verena où justement Béatrix se fait soigner. Pour les remercier. On en était arrêté là. C'est ça. Mais, tu es toujours accompagné de ton petit agneau tenu en laisse, je tiens à te le dire. D'accord. Alors, donc, à part Béatrix, qui peut me raconter ce qui s'est passé la semaine dernière? Elle a vu, elle a écouté la partie, elle a connu mieux que nous. Hein. c'est plus récent pour elle que pour nous. Pas hein. l'autre, ouais. Allez, c'est comme à Confesse, je t'écoute, mon fils. Là, bah, du coup, qu'est-ce qu'on a fait? Bon, on est arrivé en ville, on a promené, on a fait un petit tournoi de baston où Kranik a perdu. Ensuite, on a discuté, il y a un nain chelou, il y a un autre nain chelou dans un cirque. Ils ont discuté avec le juge. Il leur a dit C'est un résumé, ça, ou c'est un inventaire, la Prévert? C'est un résumé. Je vote pour l'inventaire, moi. Oui, c'est un résumé. Ça suffit pour comprendre ce qu'il y a. Hein. Bah, en gros, voilà. Après, il y a eu l'étape d'aller au palais de justice, mais bon, ça n'a rien donné, donc ça n'a rien en parler. Mmh. Alors après, qu'est-ce que le juge vous a dit? Vous lui avez donné les papiers, il me semble. Si je peux résumer, a priori... Notre ami Sepp a donné des papiers au juge, une partie seulement. Non. Il aura tout donné. Oui, c'est une partie seulement pour valider si c'était un vrai ou un faux. Apparemment, d'après le juge, c'est un faux et ça confirme plus ou moins les soupçons de Sepp. Et donc, Sepp a balancé toutes les informations sur le prétendu... Enfin bref, pour lui, il y a une espèce d'arnaque et il y a un truc dangereux parce qu'apparemment, il y a des gens qui veulent tuer d'autres personnes. Et il a tout dit au juge par rapport à ça. Bah oui, c'est la justice. Attends, tu fais pas confiance à la justice? Ouais, je ne suis pas là, moi. Alors, sombre... Ton micro se déclenche et fait des horribles bruits. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, mais personne n'a répondu quand j'ai posé la question. Qui faisait ça. Ne pas se ronger les ongles au micro, noté. Voilà. à part ça, il me semble que vous avez acquis un troupeau d'agneaux, de 16 agneaux, si je me souviens bien. Et dont Dantel en a gardé un, parce qu'il a refilé l'autre, le reste, je sais pas trop où. Ou il a fait garder, je sais plus. Merde, comment il s'appelle déjà? De Taleria. Taleria, voilà. De Taleria. Et donc, il y a une partie qui risque de partir en élevage et l'autre dans un festin. Dormtal a lui aussi relevé le gant là où Kranich avait raté et avait réussi haut la main et payé sa tournée au moins à ses compagnons pour fêter ça, sauf à Kranich qui avait perdu. Ouais, j'allais dire ses compagnons moins un. Ah bah oui. Moi j'ai trouvé ça moche d'ailleurs, c'est pas très sportif hein, dans le cas, je tiens à te le dire. Ah, c'est pas l'esprit Coubertin, hein, c'est sûr, mais bon. En même temps, il n'y a pas des Jeux Olympiques chez les elfes. Hein. Moi je tiens à dire, ouais, t'es pas très Charlie. Hein. Voilà, donc ça c'était les résumés. Donc, vous aviez décidé, je crois, d'aller apporter la bonne parole et un agneau au temple de Verena, c'est exact? À part l'agneau, sûrement, la bonne parole, sûrement pas. Hein. Ouais, on a déjà du mal à l'obtenir de notre compagne qui prône Verena. Oh, pardon, fallait pas le dire. Ouais, d'accord. Je le note. Tu peux pas, t'es pas là. Donc. Et donc, vous quittez le Schaffenfest, vous repartez par la porte est.
Vous remontez cette grande avenue en direction du temple de Verena. Au loin, tout petit sur ta carte. Là. C'est ça. Le plomb, il est ici. Donc, vous arrivez au temple de Verena. C'est un bâtiment assez, assez austère. Il représente la rigueur de la justice et du savoir, car le temple de Verena est aussi la bibliothèque de la ville. Qu'est-ce que vous faites donc? Je voulais juste savoir si vous rentriez tous ensemble ou ce genre de choses, voilà. Plus on est de fous, oui, Adri. Bah, c'est cool, c'est un peu Verena, c'est un peu austère, mais c'est sympa, quoi. Alors, au moment où vous rentrez... Non, c'est juste un peu austère. Au moment où vous rentrez, vous voyez que Béatrix est debout et en conversation avec une femme. Une femme qui a l'air d'avoir entre 40 et 50 ans. Droite comme la justice. Et vous voyez que notre amie Béatrix a l'air un peu pauvre en fait. C'est-à-dire que Béatrix, c'est droite comme la justice, elle va finir bossu, quoi. Donc, Oui, d'accord, merci. Très bien. Ça, c'est pas faux, hein. Ça veut dire. Et donc, je les vois arriver. C'est ça. Alors, avec un agneau. Ah ouais, c'est ça, tu vois, surtout dans le tas avec un mignon petit agneau. Il est trop choupi, cet agneau, il est trop mignon. Eh ben, il est pour toi. je te regarde comme ça, c'est vrai? Ouais. C'est... À la base, je voulais le donner au temple, machin, pour les remercier de t'avoir soigné, mais enfin... Si après, c'est un peu ton culte, a priori, donc... Oui, bah, de toute façon, ça sera pas la première fois que tu... oublies de donner ta dîme à ton culte. C'est pas très fort, hein. Attends. Justement, Sepp. Il faut donner 10% du mouton. Ouais, un dixième. Ben, un dixième de mouton, c'est un agneau, ça passe. Ça passe, oui, c'est bon. Non, mais dans ce cas-là, je remercie Dormtal pour ton cadeau et je me retourne vers. Vers Greta, mais que je vais pas appeler Greta, vers la prêtresse Arboka pour lui dire que. Lui présenter déjà mes compagnons, ceux avec lesquels je voyage pour l'instant, à savoir Dormtal, Kranich, Sepp, et je suis un peu interloqué parce qu'il y en a un parce que je connais pas. Ça se reproduit quand t'es pas là, c'est tout. Je me présente Wenheim Reinster, passager du Berry Belly en affaire à Bogenhafen. Eh bien, je suis joint à ce groupe, à ce sympathique petit groupe. Alors, juste une chose, le joueur a grave envie de dire, mais pourtant il était là depuis le début, tu t'en souviens pas? Mais ça serait vache. Foiré. Et donc, je remercie Greta pour tout ce qu'elle a fait, etc. Et je lui confirme que je m'engage sur une voie nouvelle. Et d'ailleurs, j'aimerais faire don de cet agneau, symbole de ma renaissance et ma rédemption, temple. Symbole de pureté. Je regarde un peu bizarrement. Moi aussi je la regarde bizarrement. Hein. En même temps, je me suis débarrassé des agneaux, je vais pas m'en plaindre. Hein. Attends, par le temps qu'il fait dehors, une bonne petite côtelette, ça se refuse pas, merde. Tu m'étonnes qu'elle regarde bizarrement. Bref, et c'est tout ce qu'elle fait, me regarder bizarrement. Oui. Sinon, je lui tends la laisse de l'agneau. Hein, Y a pas de soucis. Le temple de Verena a bien noté votre don. Très bien. Faites juste attention à ce que je vous ai dit. Oui, ne vous inquiétez pas. Les préceptes seront. Et cela dit, justement, parlant de préceptes, on va prendre congé, hein, parce qu'on a autre chose à faire. Mais j'aimerais parler à Sepp. Un moment, d'une fois qu'on sera sorti du temple. Oui, si, hein. Alors, tu t'éloignes des autres ou pas?
Non, 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 non. D'accord. Il m'avait écouté, il n'y a rien de truc. Alors, Sepp, mon petit. Alors, déjà, tu vas pas m'appeler mon petit. Non, Sepp, j'ai profité de mon séjour au temple où la fièvre m'est passée pour, étant donné que c'est un temple de Verena, donc il y a de la connaissance, et notamment des bouquins, pour essayer de chercher un truc sur ce fameux Castor Liberung, et je n'ai strictement rien trouvé, ni en héraldique, ni en généalogie, ni en quoi que ce soit. Quoi. En gros, je te dis en fait ce que nous on a fait, comme tu as déjà lu le résumé, je vais pas le refaire, mais que nous on a été au palais de justice, qu'ils étaient pas là, qu'on a été à la foire où ils ont délocalisé, qu'ils ont vérifié l'héraldique, qu'ils ont vérifié, nous on a vérifié l'imprimerie, que a priori c'est une petite quantité, que le notaire n'existe pas, enfin, que tout c'est du bullshit. Et que okay. Donc on l'a dénoncé à la justice. Eh ben, c'est très bien. C'est exactement ce qu'il fallait faire. Et que je dis que, bon, par contre, le truc étant que, comme ça parle à demi-mot, que le certain Castor Liberung est quelqu'un qui n'existe pas et qui a quand même des signatures officielles sur Castor Liberung, j'ai quand même un peu peur pour mes fesses. Eh ben, sache que le glaive de la justice de Verena te protégera par mon bras. Oui, mais une bonne armure aussi. Oui, mais l'un n'empêche pas l'autre, hein. On va dire. Alors, ça. Et pour le bras armé, il y a aussi le mien. Oui, en plus. Par contre, j'ai aussi une question vraiment importante à te poser, parce que on va dire que côté introspection et questions sur moi-même, j'ai pu réfléchir ces derniers temps, hein, surtout après ce qui m'est arrivé. Est-ce que tu peux me confirmer que je ne suis absolument dans rien de l'incident qu'il y a eu à Aldorf avec les nobles? Ah, tu t'es engueulé avec eux. Et c'est tout, en fait. Et c'est tout, oui, non, y a pas... À moins bon. qu'on soyait tous drogués et qu'on n'a pas vu ce qui s'est passé, mais non, on s'est juste engueulé et on s'est barré. Donc c'est bien après, ça. On s'est fait attaquer, mais par d'autres personnes. Et on est bien... personnes, en plus, on les a même pas tués, on s'est barré en se faisant tirer dessus. Ouais, c'est surtout ça, donc... Bon, j'ai pas mal de choses à voir, mais il faudra que je règle ce problème à un moment ou à un autre, parce que... Alors, le fait est qu'on a prévenu, nous, qu'on était passé par Aldorf, hein. Mais bon, j'ai pas dit le nombre qu'on était, et on y a été pas avec le même nombre, sans... Oui, en plus, sans moi, donc, sans l'elfe, etc. Donc oui, je pense pas qu'il puisse faire un lien entre les deux, quoi. Mais... Il pourrait. Clairement, pourrait, mais... si, au cours d'une enquête... Je pourrais faire un lien, mais le truc, c'est que bon, va prouver que c'est pas nous, quoi. À moins qu'ils fassent une enquête et qu'ils trouvent qui c'est, ou qui c'est, voilà. Bah, il faudra bien soigner... On a quand même la justice d'Aldorf au cul, et ils croient qu'on a fait quelque chose de mal, alors c'est pas le cas, mais bon. Il faudra bien solder ce truc à un moment ou à un autre. Mais je suis d'accord avec toi, pour l'instant, on va d'abord régler ton problème, parce que... Là, pour le moment, le problème le plus important dans l'ordre des priorités, c'est que t'as peut-être maintenant quelqu'un qui va vouloir se venger parce que t'as foutu en l'air son arnaque. C'est ça. Et je dirais même pas qu'une personne, vu que ça a l'air d'être un truc un peu plus quand même structuré que ça, donc... je dirais un groupe de personnes. Par exemple. Bien. Et juste une question, ce nouveau compagnon, il est de confiance ou... Alors... Ah, tu le dis devant les autres, je te rappelle. Ouais. Alors, quand même. Clairement, je dirais pas qu'il est de confiance, je dirais juste que... il a des papiers officiels qui prouvent que... voilà. Ah, démerde-toi avec lui. Hein, Aussi, t'avais des papiers officiels qui prouvaient que t'étais... Oui, voilà, je sais. Oui, justement. Mais avec bon. Un tampon de l'empereur. Donc, je me représente près de Hohenheim en précisant en effet que je suis Béatrix. Pour l'instant, suivante de Verena, et que cette affaire de... En transition. En transition, on va dire ça. Cette affaire de faux, d'usage de faux, mais surtout d'assassinat commandité, de meurtre et de complot, m'intéresse au plus haut point, car
ma déesse ne supporte pas ce genre de choses. Et que donc je suis très content que tu sois présent, mais je suis aussi désolé que de facto tu sois embarqué dans cette affaire, parce que a priori, je pense qu'il faut que tu sois au courant que on a déjà eu plusieurs tentatives d'assassinat sur nous, et que si tu es avec nous, ça risque de forcément te tomber dessus aussi à un moment. Moi, pour le moment, je suis un peu bloqué avec le Berry-Belly, le temps qu'une autre affaire compliquée de mon côté se règle, donc on verra. Hein. Je sais pas trop ce qui vous arrive, mais advienne que pourra. Alors, je vous regarde et je vous dis, mais si on a deux affaires compliquées, normalement, elles devraient s'annuler. Si l'une est en face de l'autre, ça s'annule. Non, je ça le... marche pas comme ça. Je le regarde bizarrement avec un coup d'œil vers Béatrix, interrogatif. Non, mais... Il a toujours été comme ça, mais est-ce qu'il vous a déjà parlé est-ce qu'il vous a déjà parlé cristallerie? Non, pas encore. Ben, vous allez voir, ça va arriver. Mais bon, généralement, c'est un truc qui rassure, en fait, parce que quand il commence à partir là-dessus, c'est que la vie semble reprendre son cours normal. C'est quelque chose de rassurant, quelque part, mais bon. Mais on supporte... pas très rare. Je la regarde et je lui dis, mais toi ça va, parce que bon, là ça fait même pas 24 heures qu'on t'a abandonné, t'as l'air d'aller vachement mieux quand même. Alors, j'ai expérimenté un... Comment on va dire ça ? Une révélation divine. Et si le corps... Si c'est ça une révélation divine, ça pique un peu quand même. Ah oui, clairement. Mais justement, il y a des choses que les mortels ne doivent pas trop s'approcher des dieux, etc. Mais... quelque part, j'ai le regard de Verena est posé sur moi en ce moment. Et donc, je me souhaite d'agir en conséquence. Et donc, il y a des choses que je vais corriger. Oh, vous communiquez avec votre déesse, comme c'est intéressant. Ouais, c'est la communication. Je vais là avec de lui d'un pas, je regarde si le ciel il se couvre, tu vois. Je veux dire. Alors, communiquer avec ma déesse, pour l'instant, j'ai l'impression que ça revient à mettre les deux doigts dans la prise avec du 220, du 320 triphasé, tu vois. C'est pas le genre de truc qu'on apprécie. Je mais m'éloigne un peu d'un pas aussi. Bon. Mais pour l'instant, tout va bien. Et grâce aux soins et grâce aux prières de Greta, la prêtresse du temple, ça va déjà nettement mieux. Mais bon, en effet, il y a quelque chose qui vont changer quand même. Pas de Johnny dans Warhammer, s'il vous plaît. Et sinon, vous avez prévu de faire quoi? De retourner au Berry-Belly, là ou Pour ma part, je vais retourner à la maison de l'astrologue que j'étais censé voir pour en savoir plus des questions que j'ai oublié de poser. Bah, moi, ce que je pensais faire, c'est prendre le Berry-Belly, le mettre en cale sèche, et s'en servir de bouclier pour prendre la ville. Mais voilà. Ah, c'est pas la nuit encore, hein. C'est milieu de l'après-midi, hein. Vous avez encore vachement de temps. Hein. Mais en termes de dodo, on s'était dit ça dans le sens où bah, le problème, c'est que avec la fête, les auberges elles sont blindées. Et donc, on dort au Berry-Belly. Ouais, ben. Bon, par contre, moi, je quitte pas des yeux. Hein. Là où il va, je vais. Ça me fait penser à une chanson. Non. Mais il a déjà une ombre, hein, t'inquiète pas. Et du coup, Il en aura deux. Alors, du coup. Et du coup, est-ce que tu penses que tu peux attendre, t'as pu attendrir ta déesse avec l'agneau? Je sais pas, mais. Tape plus fort sur l'agneau, il sera attendri. Il y a 2-3 trucs qui seront à voir par rapport à ça. Mais déjà, premier point, c'est protéger Sepp et surtout essayer de découvrir qui est à l'origine de cette espèce de sombre affaire de complot, etc. Vous avez posé des questions sur le type avec la gorge bizarroïde et sa voix de casserole. On l'a pas décrit, mais en même temps, il y a son nom, mais on sait pas, enfin, on sait pas qui c'est, mais. Moi j'ai un peu peur en fait de poser des questions sur ce gars-là, hein, à titre personnel. Ouais. Je tiens juste à vous rappeler qu'il a dépensé une somme quand même assez phénoménale pour essayer de nous liquider. Hein, Oui, mais ça veut dire qu'il avait la somme assez phénoménale. Oui, surtout, mais il a peut-être encore la somme encore plus phénoménale. Il est mort. Hein.
Non, oui. Il est pas mort. Là, là je te regarde. Il est mort. Ah, c'est bon. Ah si, il est mort. Je suis un peu inquiet quand tu me dis il l'a peut-être ah, encore. Parce que moi, je me rappelle avoir pillé ses poches, quoi. Oui, c'est celui que j'ai frappé sur la tête, c'est ça? Ouais. Béatrix, rassure-moi, il était bien mort, hein. Oui, oui, non, c'est rien, c'est... j'ai quelques absences, c'est sur mon petit problème. Non, exact, il est mort. Alors, est-ce que tu veux qu'on t'attache les sorts de pleine lune? Non. Non, c'est pas la peine. C'est... Merci de ta prévenance, Dormtal. Je suis certain que c'est certainement une coutume elfe très prisée par chez vous, mais ça sera pas la peine. En fait. Oh, on s'amuse bien à s'attacher tout le temps, hein, tu sais. Un peu comme, un peu comme les dragons. Je voyais pas les elfes comme ça. Hein. Ah ben, les elfes noirs, quelque part, c'est des elfes des bois gothiques, un peu. Hein, donc. Voilà. Oh la vache! Oh, et dans Warhammer 40 000, c'est des elfes noirs techno-gothiques, c'est ça? Oh la vache! Non, ils font de la tectonique! Oui, c'est ce que j'allais dire! Oh mon dieu! C'est une image qui vient d'arriver! Bon, un elfe donc... avec les cheveux sculptés avec du gel en train de danser avec ses deux lames, tu vois, c'est. Enfin voilà quoi, c'est fini quoi! Oh mon donc, Dieu. La question c'est qu'est-ce que vous voulez faire maintenant? Et surtout, Seb, qu'est-ce que toi tu comptes faire? Vu que je vais pas te lâcher. Pour le coup, moi, pour le moment, j'ai rien prévu. À la limite, il y a un quartier des artisans, il y a peut-être des trucs, il y a peut-être moyen que j'aille faire un petit peu de verrerie, ça va me détendre. Mais je sinon, je sais pas du tout. Oui, par contre, si le mage veut retourner chez l'astrologue, il a été vu avec nous, s'il est tout seul, je voudrais pas qu'il lui arrive un mauvais truc. Ce serait peut-être bon que quelqu'un le fasse en regardant Kranich avec l'œil insistant. Attends, tu vas chez un astrologue, il a du matériel et quoi, t'es porté sur l'astrologue. Des super lentilles convexes et concaves. Il est surtout décédé. Non mais moi je m'en fous de lui, c'est ses lentilles qui m'intéressent. Son matériel est récupéré par la commune et c'est le tribunal qui en dispose à l'heure actuelle. Ah merde. Ouais, non, ce qui paraît assez logique, Sepp, fais-je, en te regardant le sourcil levé. Oui, mais c'est levé. Toujours intéressant de voir un peu la technique des autres. Après, si tu veux acheter un kilo de lentilles, tu dois trouver au marché, je pense. Hein. Ah oui, facile, hein, ça, j'allais dire, en plus... Le mec, il se vendrait pour un plat de lentilles. Exactement, mais il faut surtout trier les cailloux juste pour après. Une lentille, une belle lentille convexe, tu vois là. Putain, toi, t'es genre à prendre le paquet de lentilles et à essayer de trouver la lentille dans le paquet quand même. Ouais. Ok. Bah, des lentilles convexes dans le paquet, ça devrait aller. Bon, donc, disais-je, Kranich, tu veux pas accompagner notre nouveau compagnon Onheim pour. Assurer ouais, au moins un minimum de. Ah bah, franchement, je pense que Kranich est celui qui est le plus à même à faire fuir les malandrins et autres. Si tu veux pas le faire, moi je veux bien, mais dans ce cas-là, il faut absolument que tu restes avec Sepp, hein, parce que Sepp ne doit pas rester tout seul, clairement. Bah, de toute façon, j'ai resté avec Sepp avant, donc si t'es là et puis que tu gardes Sepp, bah, je peux aller avec. Avec lui, mais... J'ai l'impression d'être un chien. Alors, si Sepp est dans une sombre histoire, est-ce qu'il vaut mieux pas qu'il s'en renomme Truffe? Je sais pas. Ça pourrait le faire, tu vois. Moi, je dis que c'est bolet blanc et blanc bolet. Hein. Ouais. Oh, t'attendais, toi, de la sortir, celle-là. Oui. Je l'avais préparée. Ça, c'est un festival. Je pense que si quelqu'un essaie de tuer Sepp, il va mourir à coup de blague foireuse comme ça, et son cerveau lui couler par les oreilles. Ah bah dans ce cas-là, ça sera trompette de la mort. Ah, moi j'aurais plutôt dit Penicillium Camemberia, tu vois, un peu. Ouais, pas mal. Bien, ben voilà, donc si... Je vois qu'on est à fond sur la blague de champignons. Ouais, je pense qu'on est en train de faire du cauchemar, là. Je pense qu'on a touché le fond, surtout. Donc si Onheim et Kranich vont ensemble, et... je sais pas ce que fait Dormtal, d'ailleurs. Si moi, je vais pêcher. Il est avec. Il n'y avait pas aussi question d'un tournoi
Et un tournoi pour la lice. Enfin, parce que si c'est l'après-midi, on peut peut-être jeter un coup d'œil au tournoi et puis ils attendent là-bas. Hein. En plus, si tournoi, c'est Bado, ça veut dire commérage, ça veut dire information, donc je dis ça, je dis rien. Si ça se trouve, notre gars, il est inscrit au tournoi, là, celui qui est mort, vu qu'il est censé recevoir un titre. Quoi, si ça se trouve, ils ont été assez malins pour l'inscrire au tournoi. Là, je pense que tu commences à sombrer dans la paranoïa aiguë. Mais non, mais de toute façon, il y a un camp d'entraînement d'ange dans le coin. Alors, ce genre de barrière de premier joke, monsieur Crom, je te préviens, c'est la dernière que je te donnerai. Non. Bon, bref, moi je vous proposerais bien d'aller sur le lieu du tournoi pendant que le Onaim et Kranich vont régler les petites dernières questions d'Onaim et on se donne rendez-vous tous. Vous nous rejoignez sur le champ de lutte là, ou le champ de tout ce qu'on veut. Dormtal qui va pêcher, c'est ça? Bah non, enfin, je voulais, mais bon, a priori, s'il faut aller au tournoi de lice, on va au tournoi de lice. Hein. Tu verras, c'est un truc sympa, c'est un peu comme par chez nous, mais avec un peu plus de dorure et d'armure, j'ai quand en même fait. Une question, un tournoi de lice, c'est un endroit où il y a plein de gens armés qui se baladent. Oui. C'est pas ce qui peut mal se passer. Exactement. C'est pas des gens qui se battent avec des fleurs. Bon, ça, ouais. C'est le pouvoir des fleurs, oui. Non, mais tu vas voir, c'est un truc humain, typiquement humain en fait. C'est des mecs qui se foutent dans des armures et ils se tapent dessus et on compte les points. Oui, c'est festif, hein, c'est très festif. On a la même chose en Ostermark, sauf qu'on fout pas d'armure, on se fout à poil, on sort en pleine saison en hiver et puis on se fout des baffes en buvant du schnapps et puis le premier qui tombe va perdre. Non, c'est des biches. Rassurez-moi, monsieur le MJ, on va pas en Ostermark. Qui sait, ça s'appelle la campagne impériale. Oui, non, mais je sais, c'est un pays sympa, l'Ostermark. Mais du coup, le tourisme décolle pas, mais sinon, c'est vraiment sympa, quoi. L'Ostermark, c'est une région de l'Empire, c'est un pays à l'extérieur de l'Empire, c'est. C'est une région de l'Empire. Région de l'Empire, là. Enfin, il paraît, hein. Si t'écoutes le reste, moi je dirais que c'est même pas civilisé, hein, mais bon. Voilà, c'est oui, ça. C'est si t'écoutes ça. Le reste des habitants de l'Empire, t'es pas bien sûr qu'ils appartiennent encore à l'Empire. Hein. D'accord. C'est quoi la capitale de. On sait plus. C'est tous bourrés. T'en poses des questions sur l'Ostermark. L'Ostermark, c'est à peu près comme les Finlandais en Scandinavie. Hein. C'est les mecs qui sont tout en haut et puis bon. Et sont si tu bats dans les forêts, est-ce que tu trouves des groupes de métal? C'est pas loin d'être ça, mais bon. D'ailleurs, la Finlande a fêté ses 100 ans d'indépendance il y a pas longtemps. Voilà. Yep, exact. C'est la raison pour laquelle il y a plein de réductions sur Steam. Enfin, je dis ça, je dis rien. Je ne touche pas de pourcentage. Sur les ventes sur Steam. Bien! Mais faut dire quand même qu'ils étaient du mauvais côté pendant la Seconde Guerre mondiale, hein. Mais bon. Ils se sont fait taper par les deux, en plus, hein. Comme les Polonais. Soviétiques d'un côté et. Non. Les nazis de l'autre. On va peut-être t'arrêter sur la digression ici. Je vois pas ce qu'il te fait dire ça. Absolument pas. Bah, t'essaies de lui faire du placement de produits de Didet, là, c'est ça? on avait dit pas d'autopromo. À propos d'autopromo, elle est quand même vachement mieux l'affiche de Release New pour Warhammer, c'est l'affiche officielle. Merci Obi. Y'a rien. La deuxième fois non. Non, la première fois on était pas enregistré. Bien donc. Bon, cette autopromo finie. Suite du scénar. Donc, qui part où? A priori, Onaim et Kranich chez l'astrologue, chez la demeure de l'astrologue, et le reste au tournoi. Ok, on va commencer par ce petit groupe-là. Qui c'est qui fait du bruit avec son micro? Enfin, je dis ça, mais... Il y en a plus. C'est moi, je suis arrêté juste après. Ça s'est arrêté net jusqu'au moment-là, c'est pas mal. Donc, vous commencez à déambuler dans les petits trucs, arrivez à retrouver l'endroit où habite l'astrologue, tu vois bien que bah, c'est fermé, il y a un oubli sur la porte, que la maison est sous séquestre.
Je demande au voisinage s'ils connaissent pas des personnes qui pourraient avoir réclamé des biens des ayants droit testamentaires ou des connaissances, s'il avait des connaissances, des amis ou autres. Alors, tu vas me faire un test de commérage, s'il te plaît, et à moi. Ah ouais, sachant que le social, c'est déjà pas mon... Bah, c'est d'entrée, parce que je crois que mes statistiques en social... Tu peux quand même lancer le jet, il y a quand même 5% de ouais, chance si de réussir. Si tu fais 1, ça peut être bien. Si tu D'accord. veux du social, pense à Verena. Non, c'est loupé. Non, j'ai 35 bah, écoute, en social. Bah, Bah, Kranich, si tu veux l'aider, t'essayes. Hein. Oui, si je peux l'aider, oui. Alors, en fait, moi, il faut juste que je fasse 1. 0-1. Sur 100. Raté. Alors, tu sais que si tu faisais 5, tu réussissais. Hein. Ah, ouais, mais tu peux utiliser ouais, un dé, tu peux utiliser un point de fortune pour modifier ton résultat de 10 et être à ah, moins ouais. 4. Et donc réussir. Mais t'as pas utilisé faire. Tes points de fortune dans un tournoi? Non, il m'en reste un. Il m'en reste un pour la journée. Mais c'est vrai, oui, c'est vrai. Donc oui, bah je fais. Et donc du coup, je réussis. D'accord, ok. Bah écoute, vous arrivez à tomber sur quelqu'un qui était en train de partir pour aller à Schaffenfest. Quelqu'un qui manifestement était parti en retard. Toutes les autres maisons avaient l'air vides en fait. Hein. Ah, c'est pour ça. Bah oui, un peu. Alors bon, bah, il a l'air étonné de vous voir là. C'est idéal, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Donc, nous aimerions savoir si... Sigmund Malar avait des légataires dans la ville ou des amis, des ayants droit, des connaissances proches à qui il aurait pu relater ses travaux. Alors, c'est un illuminé. il faisait livrer ses courses, il y avait un apprenti, un gars d'une incurie monstre. Voilà, c'est, on l'aimait pas beaucoup dans le coin parce qu'il. Il inquiétait un peu les gens, il passait toutes ses nuits debout, on ne voyait pas dans la journée. Son apprenti est une catastrophe et bah, on est tous soulagés qu'il ne soit plus là. Quoi. Et quant à son, quant à son héritage. Bah, c'est un peu comme John Hallyday, quoi. On va se prendre. Voilà. Et quant à son héritage, bah, y a pas de souci, allez au tribunal, il doit avoir tout ce qu'il faut. Ok, je vous les remercie de rien, c'est très important. Ouais. Désolé, allez, c'était un coup d'épée dans l'eau. Hein. Alors, parce que bon, vous êtes sympathique. le mec il dit, tenez, prenez ça, moi j'irai pas, je pense. Hein. Une espèce de papier qui est un bon pour aller voir l'exhibition, enfin le musée zoologique du docteur Malthusius. Une entrée gratuite. Une entrée gratuite? Oui. Bon bah, je l'offre à Kranich hein, qui a pu me dégoter l'informateur dans une oreille attentive. Bon, merci, mais bon, oui, bon, j'irai voir. Hein. Et tout. Alors, un papier ah, avec plein de couleurs dont t'arrives pas à lire le nom parce que tu sais pas lire. Oui, c'est joli! Il y a des couleurs! Mais tu reconnais quand même un dessin sur le truc, c'est la forme d'une couronne. Voilà, c'est. La couronne d'or, hein, la pièce. Hein. Et, tu reconnais la valeur numéraire. A priori, c'est un bon pour une couronne. Au pire, je le revends et puis je me fais une couronne. Bref. Ah, c'est une entrée gratuite pour un truc qui coûte une couronne. Tu vas pas le revendre une couronne. Hein. Et puis bon, je voudrais pas dire, mais j'ai l'impression que le MJ insiste pour qu'on y aille. Hein. Bon, non, tu vas ou tu vas pas, hein. Bon, je m'en fous. Hein. Mais bon, ça m'emmerdait un peu qu'il ait dépensé un point de fortune pour y recevoir en échange. Donc, Ouais, j'ai pas mes fesses, hein, t'as le droit, oui. Bah, je t'ai fait économiser une couronne, quoi. Prochain point de fortune, t'as le droit à une barbe à papa. Voilà, bon, bah, donc vous avez perdu 20 bonnes minutes. Les autres. Vous renversez toute la foire.
Alors, Sepp, tu t'aperçois que bon, dans les endroits où il y a les échoppes, tu t'aperçois qu'il y a effectivement pas mal de commerçants. Donc, pas mal de commerçants qui vendent des tas de produits miracles. Donc, on n'arrête pas de te vanter les mérites de tonifiant miracle du Tour Zeus, l'eau de vie rarissime des elfes. Excuse-moi, hein, j'ai un petit peu du mal là d'un coup. Hein, je me sens au milieu de sales voleurs en fait d'un coup. Alors, il y a un gars qui vend de véritables talismans argentés des Norsques. Hein. Oui, ils ont sûrement l'air argentés ces talismans en plus. Hein. il a même un écriteau marqué vu à la télé, ça doit être vrai. Ouais, et si on commence à négocier, il va me dire qu'il se tranche la gorge à chaque fois. Mais. Ah, tu veux pas le tonifiant miracle du Thor Zeus alors ? Non. D'accord, ok. Alors l'eau de vie rarissime des elfes, en fait. Ça t'intéresse pas Dantel ? Bon, tu sais, moi mon peuple, moi je les vois mon Par contre, porte, moi je cherche s'il y a moyen de trouver un apothicaire un peu plus solide qui vend ce qu'on appelle des potions de soins mineurs, là, enfin le truc que j'ai vu dans la feuille. un peu plus sérieux. Fais-moi voir un test de commérage, tiens. Alors comme ça, on aime bien les mineurs. tu sais quoi, je vais aller faire un truc, c'est aller griller un point de fortune, là, tu vois. Parce que ça me fait un peu chier. Moi, je veux pas voir, mais le mec qui a codé les lancers de dés sur Steam, il fait moins que de 90 TD, quand même. Hein. Ah, c'est une vue de l'air. Ouais. Et bon. Ben voilà. Bah, Agnat, à moins que tu me donnes des bonus ou pas, mais c'est... Alors, tu l'as loupé de combien ? 41, j'ai fait 50. Ouais, 17. À un moment, faut arrêter d'espérer, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, peut-être un de tes camarades qui peut t'aider. Oui, par exemple. Tu sais, veux-tu que je te de... que je trouve quelque chose pour toi ? Ah non, mais fais-le, hein. C'est bien alors. Ça c'est pas mal, mais ça c'est mieux. Ça c'est nettement mieux, tu vois. Seb, bois un peu d'eau, t'as l'air déshydraté. Ouais. Ouais, il est plus en mode shiitake que Seb là en fait. Excusez-moi, brave homme, sauriez-vous s'il existe des apothicaires qui pourraient nous fournir des potions de soins ? Des remèdes, non ? Parce que potions de soins ça fait pas très très RP, je trouve. Oui, ou des remèdes, des onguents, des n'importe quoi. Pour moi, c'est RP si c'est le nom de l'objet. Hein. Enfin, à moins que l'écureuil me dise que ça s'appelle autrement, mais. Étant un apothicaire, ayant jouant un apothicaire. Ouais. Y a une petite bonne femme là-bas, avec une roulotte. Ces herbes, on les renaît en fait. Elvira, qu'elle s'appelle. Croc and Muscle. Très bien. Ben, je le remercie grandement et. Que la journée vous soit agréable et profitable. Sepp, a priori, dans la roulotte là-bas, je pense qu'on va pouvoir... Regarde la roulotte d'un air inquisiteur. Alors, tu n'as pas encore ouvert la profession. Elle ne brûle pas. c'est pas dans ton truc de carrière inquisiteur, je te le dis tout de suite. quand t'arrives, en fait, tu vois une carriole un peu bariolée. Ah, tout de suite, ça sent quand même bien le charlatan, quoi. Une espèce de grand panneau devant le truc. Alors, c'est marqué. Elvira Kleinstoun. Apothicaire, nombreux remèdes, à base de plantes, efficace et pas cher. Entièrement bio, culture biodynamique. Alors, effectivement, tu vois une elfine qui est là en train de... Tu vois une elfling en train de devant un étal avec des tas de préparations. Alors tu vois que tout est préparé en fait. Hein. Ok, bah écoute, le truc c'est que qu'est-ce que j'en pense moi de ce que je vois en tant qu'apothicaire en fait ? Bah si c'est déjà préparé, c'est qu'il y a plus de vitamines. Hein. Alors, quand tu arrives, tu regardes le jeu, bah tu me fais un test. Un test d'apothicaire s'il te plaît. Liste ? Ah mais t'as le métier apothicaire non ? Bah voilà, ça existe. 15 sur 40. Voilà. Bah écoute,
ça a pas l'air... Enfin, tu connais rien en plantes, hein, mais... voilà. Bah alors, j'y connais rien en plantes, mais a priori, oui, non, mais attends, c'est que j'allais préparer quand même. Alors, tu sais les préparer quand t'as la recette. Voilà, tu sais pas juger de ce qu'il y a forcément. Le truc, c'est que, bon, bah, ça t'a l'air... t'as des trucs qui te paraissent un peu suspects, et puis des trucs qui ont l'air plutôt honnêtes. Et donc, il y a un peu... Alors, tu vois qu'elle est... elle a l'air douée pour bonimenter les gens, quand même, la nana. Hein. Alors, c'est un petit bout de femme qui mesure 1 mètre, à peu près aussi haute que sa table. Elle est montée sur une espèce de tabouret qui fait tout le long de sa table. Un banc, en fait. Ah, il y a un banc, voilà. Oui, c'est un bon. Bah, ça arrive, non ? On a le droit de se tromper. Il n'y a pas de soucis. Non, mais de toute façon, quand nous on se trompe, tu nous backstab, donc bon, quelque part, on a le droit aussi. Hein. Je veux dire. Ah, il n'y a pas de soucis. Mm-hmm. Je râlais pour la forme. Donc, alors, tu vois que la petite bonne femme, elle te regarde, Sepp. Vous allez continuer à renifler comme ça ou vous allez m'acheter quelque chose ? Bah, vu que je continue, je lui dis en fait, je te le fais pas en roleplay, hein, je te dis ce que je lui dis. J'essaie de parler un petit peu métier et lui dire que je cherche en fait des potions de soins parce qu'on s'est déjà retrouvé plus d'une fois blessé et avoir. Je dis qu'ils appellent des potions de soins, mais j'avoue que. Je veux des remèdes quoi, oui. Bon. Voilà, des remèdes. Quelque chose pour. Pour les hématomes. En cas de coup dur pendant un combat, quoi, clairement. Ah, elle te regarde comme ça toujours. Bah tiens, tu vas me faire un petit test de commérage, s'il te plaît. Commérage ou. Commérage. Elle va te donner 10 mg d'adré. C'est ça. J'ai là une seringue d'atropine, si vous voulez. Ça fait un bon boost en cas de combat. Voilà, hein, 88. Du mercurochrome. Tu le laisses en l'état ? Je vais pas griller des trucs pour ça quoi. Je te demande juste si. Je suis pas très loin de toi. Si tu veux que je converse aussi, je peux. Hein. Non, mais je te demande juste si tu gardes, si tu tiens le garder en l'état. Ok, d'accord. Oui, bon, bah écoutez, ou bien vous m'achetez quelque chose, ou bien vous en allez, vous faites fuir les clients là, avec vos questions. Là. Je dis à ce moment-là, si on fait, bah oui, vous nous faites fuir avec vous en nous disant ça, quoi. Moi, j'ai besoin d'acheter quelque chose. Si vous pouvez pas me vendre quelque chose, tant pis. Je vais pas acheter au hasard, quoi. J'ai besoin d'un professionnel face à moi. D'accord. Ce que vous voulez. Pour un truc. Je dis, ça vous fera 9 couronnes. Au revoir. C'est la réponse est au revoir, net. Hein, Ça fait un peu cher la tisane quand même. Ah bah, sachant que de mémoire, je suis censé connaître à peu près les prix des potions qui sont de 5 de mémoire. Même si on est en festival, je considère que me faire partir. Qu'est-ce que tu donc fais je dis clairement, hein, ouais, en gros, vous me faites partir. Je note et. Mais Seb, qu'est-ce que tu fais ? C'est une foire. Elle démarre le truc et après faut marchander quoi. Non, à partir du moment où tu te pars trop haut, tu marchandes pas. Hein. Non, faut attendre le dernier jour parce que si elle aura rien vendu le dernier jour, elle fera des prix pour lier ses stocks. Et là. Mais t'es pas là. Je voyais pas les elfes aussi capitalistes que ça en fait. Non, mais c'est surtout que moi j'ai fait pas mal de marché médiévaux. Oui, je suis d'accord avec toi. Quand le marché se termine, c'est là où tu récupères la cagette au prix de la coupe. Ah ben, le mec qui vendait des saucissons un peu avec toute viande, là, putain, on s'est fait plaisir. Hein. Oh, à la fin, on a fait rasir. Hein. Oh là là. Ah, j'ai acheté du corbeau, du machin. Si vous prix, c'est ça. Je suis désolé. Bon, j'achèterai rien. Bon, voilà. Revenez quand vous aurez mal. Je dis en sortant, ouais, en même temps, vous êtes pas tout seul à vendre. Hein. Tu es charlatan. Je dis justement, je pensais tomber sur quelqu'un d'un peu plus sérieux. Ah, juste un truc, si je peux m'immiscer dans la conversation, est-ce que je peux demander à sentir ce qu'elle essaye de vendre ? Alors, vous avez bien quand même conscience que si vous l'ouvrez, faut le consommer. Hein.
Ah mince, dommage. Non, parce que chez nous, en Ostermark, on a un dicton qui dit que si ça sent pas bon, c'est très très bien pour soigner, justement. Donc si ça pue... Ok, j'attrape Béatrix. Toi, tu viens. Toi, on va te vendre de... N'importe qui va te vendre de la merde, de, je sais pas quoi, dans une bouteille, et tu vas te faire arnaquer. Non, ouais, elle avait l'air très bien, cette dame-là. Ça soigne pas très bien, les excréments. Je dis juste que toi, clairement, non. Non, parce que c'est vrai, hein, c'est ce que répéter nos parents quand ils nous soignaient. Hein. Si c'est dégueulasse, ça te soignera nettement mieux. Hein. Et là, alors. Ça c'était ton. Je dis oui, mais en même temps, si ça sent mauvais, ça va peut-être soigner mieux, mais en fait, ça marche pas comme ça. C'est un bon remède, pas mauvais. D'accord. Moi, je pense quelque chose que c'est. Mauvais n'est pas un bon remède. Moi, je pense plutôt forcément. Que c'est le proverbe que le prêtre de ton église utilisait, non? Oh putain! Oh la vache! Oh la vache! Mais Oh, elle cache celle-là! J'invoque l'autorise Verena sur cette chose! Ouais. De mémoire, le cataplasme pue la mort, mais ça marche bien! Oui, c'est ça! Ah, ça dépend! Le truc, c'est que si jamais t'as pris un truc qui passe cette date, il va puer la mort, mais il va pas te soigner! Hein. Ah bah, c'est ce que j'ai lu sur le bouquin, donc si tu me dis que c'est pas le cas, je prenais pas en référence le bouquin. En fait. Ah bah, sais que le cataplasme à base de purée d'ortie, de purin d'ortie, je même, te dis que le cataplasme, mort, ça marche vachement bien. Le cataplasme qui est pas cette date et qui pue la mort, ça veut pas dire qu'il soigne. Hein. Oui, non, mais je dis juste que le cataplasme de base, il pue la mort dans le. Ah oui, non mais oui. Voilà. Ça dépend, donc, ça dépend après. Hein, celui mais oui, celui en gros, Béatrix, je t'explique que. Un bon remède pue, oui, pour la plupart du temps, ça arrive assez souvent, mais quelque chose qui pue n'est pas forcément un bon remède. Moi, je suis pas trop porté sur ces trucs d'apothicaire. Moi, je suis plus côté glaive de Verena. Hein. Le glaive, ça soigne pas, ça fait oui, des dégâts. Oui, mais le glaive de Verena, il marche mieux quand il est pas hors combat. Genre, quand il est pas au fond d'une cale, en train de mourir. Ou bourré. On pourrait. On pourrait, oui. Ça ah aussi, bah, c'est un truc que je vais changer. Au moment où vous êtes en train de discuter un petit peu plus loin, vous êtes un peu éloigné du truc, vous mais voyez toi. Qu'il y a trois elflings qui débarquent à la carriole et ils commencent à discuter âprement sur les herbes à fumer. Ouais, bah j'écoute la conversation sans m'en mêler. Oh, des elflings! On n'en voit jamais en Ostermark. Donc, tu vois que ça commence raciste, à discuter âprement les prix. Or, on voit un qui dit « c'est presque deux fois le prix !» Alors, il commence à négocier âprement, et tu vois qu'il arrive à descendre jusqu'à une somme quand même assez rondelette, mais il a payé à peu près une fois et demi le prix. Quoi. Et c'est quoi cette herbe à fumer? C'est un truc d'aussi d'apothicaire, Cep, ou c'est autre chose? Je sais pas, je fume pas. C'est bon, pour le coup... Tu me demandes ce que c'est de l'herbe à fumer. Ouais, j'ai jamais vu ça. Bon. Mais à part l'alcool, tu connais quoi d'autre en Ostermark? Je veux dire, tu m'inquiètes quand même. Que ça, l'alcool? On a que ça là-haut. Il y a de l'alcool et de la neige. Et c'est ça. Et de la neige, il n'y en a pas tout le temps. Elle se dilue dans l'alcool. Ouais. Exactement. De toute façon, je me dis que, comme a dit Obi, de toute façon, ça sera pas aujourd'hui, j'achèterai un autre jour. Par contre, comme tu dis, le truc, c'est que je ne j'ai dit pas ça, moi. Je t'ai posé la question sur la fiabilité que j'avais face à moi, je n'ai pas eu de réponse, donc je suis même pas en confiance en fait pour lui acheter quoi que ce soit, la Alphaline. Bah, en même temps, t'es un touriste, t'as le droit de te faire arnaquer un peu, hein, je veux dire. Ouais, mais je considère quand même que, ouais, bon, j'ai le métier d'apothicaire, quoi, donc... Le truc, c'est que t'es apothicaire, mais le problème, c'est reconnaître les produits de base, quoi. C'est... Tu connais pas grand-chose à l'herboristerie, quoi. C'est un peu ça ton souci, quoi. Ça dit, moi, je suis un peu inquiète, là. Ça fait pas mal de temps que Onheim et Kranich sont partis, et comme je vois toujours pas, je commence à m'inquiéter un peu. Alors, par contre, ce que tu peux voir, par contre, c'est que ces préparations sont dans des fioles, ou bien en terre cuite, ou bien en verre. Généralement en verre fumé d'ailleurs, de différentes couleurs, et que elles ont l'air par contre bien fermées. Par contre, le lance pas là-dessus. Ouais, mais c'est hein. Ça en fait, le truc c'est que je te demandais le sérieux moi de ce que je voyais. Ah bah, j'ai pas eu de réponse. Sur les flacons, tu peux voir quand même que c'est relativement sérieux. Par contre, les noms sont un peu fantaisistes. Hein. Oui, mais ça. Machin, haleine de dragon. C'est marketing. C'est marketing, c'est ça. Donc, je te dis pour l'instant, si tu juges.
Au flacon, par contre, elle a l'air s'y connaître. Voilà. Voilà, elle a peut-être juste acheté des flacons, le truc, quoi. C'est que je vais pas, pour le moment, comme je te dis, je suis pas forcément complètement en confiance, donc j'irai acheter un autre cours. Je garde par contre en mémoire le nom de des shops et de son emplacement, si des fois il est encore là le lendemain. Alors, je te donne son nom. Ça fait des bruits bizarres dans mon. Ah, ton corps change. c'est inquiétant, la vache. Toi aussi t'as mangé des beignets à la banane, plantain. Toi aussi t'as mis là toute une espèce d'un œuf alien et t'as un truc qui s'est mis autour de ton visage. Donc l'alien c'est un gros ténia, c'est tout. Hein. Vous commencez à repartir et tiens Dental, tu vas me lancer un dessin s'il te plaît. Je peux pas, je suis loin de mon ordinateur. Tant pis, tu lèves tes fesses. Bon. Ah, vous êtes relou. Ouais. Non, 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 mais attends, c'est pas grave, je vais demander à Tlon de lancer le dessin. Non, ça va. Ça... Ok. Il a de la chance qu'il a. Ouais, non, mais. Ah, tiens, comme bizarrement, dans le tas, c'est marrant quand j'ai dit que c'était Tlon qui tirait. Non, je me suis levé, j'ai été levé, donc je. Si je me lève et que tu me dis que c'est l'autre qui va. Enfin, Tlon qui va tirer, ça me fait chier. Parce que je me suis levé pour rien. Donc autant que je me suis levé, je suis lancé le dé. Donc là, je me suis pas levé pour rien. Tu vois. Bon. Et c'est donc un 73. Donc, 73. Au moment où vous commencez à repartir, vous croisez une bande de gardes qui arrive. Ils sont quatre. Ils ont l'air de marcher tout droit. La foule se fend devant eux. Vous êtes à peu près sur leur trajectoire. Est-ce que derrière eux, il y a une musique de Beethoven? Non. Et il n'y a pas non plus la marche impériale. Oh. Bah on va... On va s'écarter, hein. D'accord, oui, ok. Forcément. Donc vous écartez, vous voyez passer un nain, qui est entre les quatre gardes, en fait. Il est attaché, bâillonné. Et il est tenu en chaîne. Vous avez l'impression de le reconnaître, ce nain-là, en fait. C'est pas celui qui était rossé par les mêmes gardes il y a pas longtemps. Enfin, moi, j'y étais pas. C'est pas celui forcément. Qui était au pilori. Si, a priori, oui. Alors, c'est la troisième fois que vous le voyez. Pourquoi ça ne m'étonne qu'à moitié. Le juge Richter sera content. Non, mais ces espèces de clichés racistes, genre les nains foutent la merde, quoi. Bravo. Ouais, bravo, quand même. C'est après comme alors ça qu'on va se retrouver avec des ghettos nains, et puis après ça va être une espèce de ségrégation, les nains vont devoir voyager à l'arrière des carrioles et tout, quoi. De mémoire dans Warhammer, les nains et les elfes ils s'aiment pas trop, non? Il y a une espèce de vieille rancœur, comme quoi les elfes auraient commis un acte absolument abominable. Ouais, la barbe de c'est ça, du roi des nains. Je me rappelle cette histoire d'Anne de Figatelix. C'est un peu ça. Mais du coup, bon. C'est plutôt les nains qui en veulent aux elfes que l'inverse. Oui, a priori, oui. Mais enfin, bon, faut dire que les elfes en avaient après les nains aussi, parce que les nains avaient aussi fait des bêtises et que c'était pour leur donner une leçon. Enfin, bon, on voit que la leçon est bien passée. Hein. Mais enfin, bon, après, tu. C'était des trucs de puissance. Hein. Après, il faut voir si toi tu y adhères ou pas. Hein. Ouais, pas trop forcément. Enfin, ah non, après... il craint rien à la puissance, il a battu l'autre là il y a pas longtemps et sur un super combat. Ah non, combat, il est trop fort pour nous. Ouais, Dormtal c'est. C'est le champion. C'est non, mais, oui, non, mais c'est sûr que ça me fait pas peur, hein, si tu veux, ça va. Non, mais tant c'est qu'ils sont quand même petits donc à l'arc c'est chiant. Mais voilà. Mais. Cliché raciste, et hop, encore eux. Ah, pour le coup, c'est vrai. Hein. C'est... Les mains, c'est. Alors, c'est est-ce que c'est raciste ou est-ce que c'est spéciste? Hein, voilà. C'est un peu des deux. Puis en plus, même si c'est factuel, le nain est. C'est-à-dire petit, que. Tuer à l'arc qu'une fourmi, c'est compliqué, tu vois. À 70 mètres, c'est compliqué. Voilà. Tuer un chevreuil, ça l'est moins. Enfin, toucher un chevreuil, ça l'est moins. Ouais, parce que le chevreuil, quand il court, il se prend pas les pieds dans la barbe, forcément. Mais avec une flèche, c'est pas pratique. Hein. Mais dans tous les cas, je suppose qu'ils vont le remettre au pilori, le mec, là. Ah, c'est la juge. Je suis parti pour, hein. Ouais. De toute façon, c'est pas grave, hein, il a un abonnement. Ah bon ? Vous connaissez ? Bah, l'avantage, c'est que, pour le coup, il a pas trop à se baisser, lui.
C'est pas faux. Hein, pendu au pilori, pas mal. Mais vous le connaissez, Snain ? Oh, pas du tout. Je sais pas, apparemment... j'ai cru comprendre qu'il retourne à une place avec un abonnement. Bah non, mais Béatrix, elle est avec toi, de toute façon, et Dental aussi, hein. Oui, donc, justement, donc c'est pour ça. Non, on l'a remarqué, on l'a remarqué. Bah, je dis qu'en gros, on l'a croisé, il était déjà au pilori devant la justice, a priori. Ce que les gardes disaient, c'est qu'il a, il a l'alcool facile, et enfin, il boit beaucoup, et il se bat à chaque fois qu'il boit. Visiblement, dans cette ville, si t'aimes pas les peines de prison, attends 10 minutes, hein, parce que... après, ouais, je regarde Béatrix, bon, c'est un récidiviste, peut-être que la justice pourrait trouver un moyen de l'aider, pour plus qu'il récidive. À tout jamais. Mais qu'est-ce que c'est que ces allusions, enfin. Non, je tente la justice pour, enfin, pour voir comment tu réagirais, c'est tout. Ouais, mais c'est pas de la justice expéditive non plus. Attends, C'est pas forcément expéditif, mais c'est définitif par contre. Oui, c'est définitif, oui. Donc c'est un peu trop. Attends, qu'est-ce que tu comprends pas dans la juste mesure, enfin. Bah, tu peux l'aider, en fait, c'est ça que je te dis. Prédiche même. Autre chose. Vous arrivez sur ces entrefaites. Moi je disais, tu pouvais l'aider, je sais pas, l'aider à surmonter son problème de boisson. Aurais-tu compris autre chose, Béatrix? Je ne suis pas sûr. Oh, à mon avis, il boit pour oublier, hein, mais bon, le truc, c'est qu'avec sa constitution, il doit boire beaucoup, donc... Donc, sur ces autres faits, Oneim et Kranich arrivent pendant que vous êtes en train de discuter, là. Ah bah, vous m'avez fait un... Je commençais vraiment à m'inquiéter. Vous n'avez pas fait de mauvaise rencontre, au moins? Aucune. Bon. Ah. Du coup, vous avez les informations, alors? Non. Donc vous n'avez pas fait de rencontre, alors? Ah si, on a posé des questions à un gars, mais il nous a envoyé au bureau... où ça, là? Au tribunal. Voilà. Et moi, j'ai gagné ça. C'est quoi, ça? Un bon de réduction qui lui donne une entrée gratuite pour... Si j'étais méchant, je dirais au moins t'as gagné quelque chose ce week-end. C'est une entrée gratuite pour le musée zoologique du docteur Melchisius. Et je le regarde et il dit pourquoi on t'a donné ça? Ils veulent t'envoyer là-bas ou... On te veut du mal? Non, c'est juste que le gars qui nous a envoyé vers les tribunaux, bah en fait il disait de toute façon je compte pas y aller, et vous voulez ça? Bon oui, bah voilà. D'accord, bah je te montre, je t'explique où c'est, hein, parce qu'on l'a croisé, mais je crois que tu as déjà passé devant aussi, quoi. De toute façon, je vais passer devant pour aller au lycée. Ah, c'est pour ça. Oh, ah, voilà. Je peux pas lire. Oh, oui. Bon, je présume que vous continuez? Bah oui. Ah, je ne pense pas qu'aider un nain soit un signe de Verena, donc... Surtout un nain qui boit. Mais bon. Quoi? Encore le nain qui était au pilori quand on a été à la justice? Bah apparemment, ouais. Donc, bah... Mais c'est un héron, c'est un héron, ça titube. Mais un incube, c'est quoi donc? Oh là là. Reflet d'acide. Alors, vous dépassez les zones des échoppes et vous arrivez de nouveau vers l'exhibition de monstres, le musée zoologique du docteur Melchisius. Bah, tu sais quoi, tu vas rentrer, tu fais la visite et tu nous raconteras comment c'était. On va pas payer. C'est un peu l'idée parce que moi, une couronne pour ça, alors que j'ai déjà dépensé 3 couronnes pour des agneaux, ça va quoi. Mais m'escroquer 9 couronnes pour des potions, c'est bon. Je peux toujours faire ça. Hein. Et vous êtes sûr que laisser quelqu'un d'entre nous tout seul dans un truc, c'est pas dangereux? Bah t'as qu'à l'escorter, comme ça j'aurais plus d'escorte. Eh, bah non, justement. Non mais Béatrix, je suis pas tout seul, j'ai ma hallebarde. Ah bon, ça va, je suis rassuré. Fais gaffe, ça se trouve, ils vont te la retirer à l'entrée. Hein. Oui, ça... Sûrement. Ainsi que l'épée. Au pire, je tiens compagnie à Kranich, vu qu'il m'a accompagné. Ah bah voilà. Non, c'est bon, y a pas de problème.
Non, mais je remercie. Je suis certain que si ce brave homme veut t'accompagner, c'est ce qui est tout à son honneur d'ailleurs, ce qui prouve qu'il a au moins une notion de cohésion de corps et tout. Tu refuses ? On vient de tenir la chandelle. Je ne refuse pas, je n'oblige pas, c'est tout. Bon bah c'est lui qui s'est proposé. Je déduis une couronne Paulis. De mon. Non, c'est 8. Hein. Paulis qui va au musée. Bah, je vais au lycée. C'est gratuit. Je vais au musée avec Kranich. J'ai déjà alors déduit la couronne d'entrée. Moi je les attends à la sortie. Payer. Bah j'attends avec Sep alors. Ah mais vous voulez pas aller vous asseoir au lycée quoi. Bah, pour l'instant on va aller au lycée en fait, c'est tout. Wow. On va les attendre alors. La science n'a pas l'air d'être le fait des elfes, non? Et... Bah moi j'aurais juste dit deux Ormtal. Je vais pas juger toute son espèce sur lui. A priori, j'ai peur d'avoir de certaines déconvenues, tu vois. Non, mais bon, c'est-à-dire que rester à cette boue. C'est assez grand le machin ou pas? Parce que bon, s'ils mettent 2 heures à visiter. T'as 2 chariots, 1/2 douzaine de cages, voilà quoi, à peu près ça. Bon, ça va. Bah, c'est ouais. Bon, 10 minutes c'est plié. Alors, mais du coup j'ai plus l'agneau en laisse, hein. Je viens de le dire. Hein, parce que, oui, mais je le sais, bah t'as non, plus l'agneau en laisse. Tu, non, bon, tu me l'as donné, quoi. J'en ai fait don à un Verena. À mon avis, s'il rentrait dans le musée là, il allait se passer des choses bizarres pour lui, je crois. Mais Donc, Kranich et Onaim, vous vous approchez d'exhibition de monstres. Approchez. Donc, vous allez assister au plus extraordinaire, plus étrange spectacle de curiosité zoologique jamais présenté sous les cieux de notre glorieux empire. Oh. Ouais. Le musée zoologique du docteur Malthusius, assemblé pour votre éducation, votre divertissement et votre édification depuis les coins les plus reculés de monde. Connu, hein, incalculable, l'inhabituel, le bizarre, oui, même l'écœurant. À peine, mesdames. Oui, vous n'y verrez plus que c'est nouveau, mes amis. Non, tu es cent années. Ce que je sais, ce que je sais. Donc, il y a une espèce de corde tendue en demi-cercle qui forme un enclos le long de la muraille et on vous fait passer entre 2 chariots. Payez votre pièce, toi tu donnes. Onaim, toi qui sais lire, tu vois que c'est marqué dessus le musée zoologique de Docteur Malthusius, les plus étranges créatures provenant de tous les coins du monde, le merveilleux, le bizarre, l'écœurant, réunis tous au prix de fabuleuses dépenses du jamais vu. Je lis. Donc, étonnant que vous êtes 2 solides gaillards, vous arrivez en jouant un peu des coudes, à passer vers. Donc, vous finissez par arriver au premier rang. Donc, il n'y a pas non plus une foule immense, hein. C'est quand même une attraction qui n'est quand même pas donnée. Donc, mais il y a l'air quand même d'y avoir un petit peu de monde. Hein. Et donc, vous voyez qu'il y a tout un tas de cages qui sont bâchées, sauf une. Il y en a une qui contient une espèce de petite créature. Vous regardez et. Faites. Ils mettent des halflings en cage. Un G2. Indécent. Un G-Dry. Ne fais pas ça ici. La semaine prochaine. Oh, je suis jusqu'à 94. Mais... Oh, t'es bien là. Oh, t'es bien. Ouais, je suis bien. Oh la vache. Alors, toi, la bestiole, t'as aucune idée de ce que ça peut bien être. Toi, Onaim, t'en es certain. C'est un gobelin. Alors, il est juste un petit peu... juste un petit peu bizarre parce que c'est pas un gobelin avec 2 pattes, c'est un gobelin avec 3 pattes. D'accord. C'est un gobelin atteint de priapisme. C'est un pauvre, quoi. Il est pelotonné misérablement dans un coin. Mutant. Donc il est attaché dans une cage avec une corde et relié à un collier en fer. Donc il y a Malthusius qui est en train de discuter devant une foule qui regarde d'un air béat la créature. Voilà. Tu vois qu'il y a une espèce de nain avec crasseux, avec un costume aussi pétaradant de couleur que celle du docteur Malthusius qui donne des petits coups de baguette au gobelin qui fait des petits cris. Voilà. Dagobai. Des petits cris. Ah, d'accord, ok. Uchini. Non, ça, ce sont des Ewoks. Mais bon. Non, c'est déjà Jawa, pardon. Ouais.
Non mais Youb, Youb, tu t'es discrédité en tant que fan de Star Wars. Non mais je suis... Fais-toi c'est beaucoup. Allez, c'est parti. Donc, finalement, bah, tu vois qu'il commence à continuer son petit discours en me disant que ça vient de des montagnes grises où nombre de peaux vertes traînent. Et puis, bah, vous faites juste un petit test de perception, s'il vous plaît. Heureusement, je suis pas là. Putain. Ouais. Bah oui, putain. J'aurais failli rater, en fait. Ah, oh, joli. C'est... Cliquer dessus, ça va pas passer. Oh, ah oui. Moi, sur les compétences de base, j'ai tous mes totos à zéro, donc... Ouais. Bon, allez. Il y a une espèce de disparité entre les chiffres. Il y a pas de 50 de temps en temps. C'est ça. C'est soit un 12. Bon, alors toi, Kranich, t'es en train de suivre béatement tout le discours de l'Ormel. Tu suces. En fait, Naïm, toi, tu étais en train d'observer la créature et tu t'aperçois que, à la faveur en fait du moment où le nain continuait de l'exciter un petit peu pour qu'il montre les dents, t'aperçois qu'il en fait qu'il réussit à niaquer sa corde en fait. Et donc, tu vois qu'en fait, il vient juste de se libérer de son collier quoi. Et en fait, La cage n'était pas fermée parce que le nain était en train de faire une démonstration à l'intérieur de la cage pour présenter le truc. Et tu vois donc que le gobelin commence à sortir à une vitesse grand V. Quoi. Tu peux me tenter un test d'initiative, s'il te plaît ? Un test d'initiative ? Il y a un bouton exprès pour ça. Ouais. Ouais, là, justement. Putain, c'est bien fait, quand même. Ok. Alors, Oh bah je peux fermer la cage avant qu'il sorte en fait. Alors, tu n'auras pas le temps parce que tu... Mais par contre, tu as la chance de pouvoir l'intercepter quand il passe à côté de toi. Qu'est-ce que tu fais ? Kamehameha. Bah je l'intercepte. Ok, bah écoute, tu me fais juste un test d'agilité. Voilà. C'est pas mon pouvoir l'agilité. Je vais tenter un point de fortune pour relancer. Ah oui, effectivement. Ouais. Ah bah voilà, ça passe. Ah bah ça passe. J'ai réussi. Ah bah écoute, t'arrives à choper très adroitement par le callback ce pauvre gobelin qui a l'air pas très farouche en fait. Hein. Il a l'air tout. Il avait manifestement jeté ses dernières forces dans sa tentative désespérée pour s'enfuir. Il lui chope le callback. Il sera pas libéré, délivré. Donc, tu vois que les gens sont tout à fait surpris. T'en as qui reculent, qui crient, t'en as qui applaudissent. Donc, tu vois le nain tout miteux là qui sort de la cage, attrape le gobelin, lui donne trois coups de trick, le rebalance dans la cage, l'attache de nouveau. Alors, là, le docteur Matichus qui arrive. Oh. Loué soit Heinrich. Le clou de ma manifestation. J'aurais perdu une fortune si vous n'aviez pas été là. Et toi remboursé. J'avoue que les gobelins mutants ne courent pas les rues. Tenez. Alors il te sort une piécette comme ça. Enfin, il te sort sa bourse. Et il dit, prenez-vous. Je ne peux pas faire moins. Il profite 5 euros de refus. Tout simplement, 5 couronnes. 5 couronnes. Bah ça va, attends. Ah ouais, non, sans vous, j'aurais été ruiné. Je remercie. Ça va pour un truc que t'as eu gratos. Enfin, non, je l'ai pas eu gratos. Ouais, écoutez, j'aurais eu des ennuis avec la garde en plus si c'était enfui. C'est pas le genre de choses que le juge Richter apprécierait. J'imagine bien, oui. Monsieur la garde, j'ai garé un gobelin chez vous, qu'est-ce que je peux faire? Je n'ai qu'à passer ce soir, vous êtes mes invités. Avec plaisir. Venez donc manger. Avec plaisir. J'ouvrirai une bonne bouteille et on arrivera peut-être à faire de cette aventure, enfin de cet incident, une petite aventure rocambolesque, je ne sais pas. Épisode à raconter. Peut-être même en faire un panneau.
panneau, oui. Panneau, c'est une bonne idée, c'est un panneau. Oui, revenez soir, revenez soir. Je regarde le monstre qui s'est libéré. Ça sent le piège quand même. Hein. Ça sent la goule. Il va tomber dans le panneau. Voilà. Seb. Alors, tu vas me lancer un descendant, s'il te plaît. Ah, oh, cette fois-ci, c'est pas moi. Ah, non, je l'ai pas fait encore. Des... Ouais. 45. Ok. T'es là en train d'attendre, vous êtes en train de discuter de tout et de rien. D'un coup, t'as un gars qui s'approche de toi. Un vieil homme. Il est là avec une petite cibille, une petite canne. Bon, monsieur, est-ce qu'il sent la merde ? Alors, il t'agite comme ça, sa cibille, avec trois pièces de cuivre dedans, tu vois. Ok, bah, vérifie quand même l'état de mes finances, d'abord. Je mets une pistole d'argent. Ah, tu mets une pistole d'argent ? Ouais, ouais. Oh, merci, monseigneur, merci, monseigneur. Alors, comme ça, il se jette à tes pieds, comme ça, il commence à te baiser les pieds. Et je dis que c'est gênant et que. Puis tout à coup, tu vois quatre gars qui arrivent comme ça. Monsieur, s'il vous plaît, à votre bon cœur. Je le savais. Donc 4. Ok, bon bah en tout, j'ai perdu 5 pistoles d'argent. Ah, comme ça, ils sont là, tout. Merci, monseigneur, vous êtes grand, monseigneur. Alors ils hurlent comme ça. Écoute, tu vois qu'il y a d'autres mondes. En train oui, mais en fait, tu sais, s'ils hurlent, je me casse, hein. c'est simple, hein. Je m'en vais. Ils attirent l'attention, je me casse. Tu vas dans quelle direction ? Tu remontes dans la direction de la foule. Alors. Et, je te demande juste si tu repars, pars en direction. Je sais pas, tu peux partir vers le ring, tu peux partir vers l'échoppe ou tu peux aller vers le tribunal. Dans le sens où je me dis qu'il va y avoir beaucoup de monde à la lice. La lice, oui, bah donc tu vas en direction. Du tribunal parce que tu passes devant le tribunal pour aller à la liste. Je le donc, suis. Bah, de vous même. Partez, alors donc t'as tous les mendiants qui vous suivent. Ah, magnifique, soyez bénis, Seigneur et tout. Bon, finalement tu vas réussir à les lâcher au bout d'un moment, mais il y en a qui s'accrochent quand même. Hein. C'est à ce moment-là qu'on regrette qu'il n'y ait pas Kranich. Hein. Dantal, tu suis le moment ou quoi ? Oui, oui, c'est ce que j'ai dit. Oui, d'accord, oui, je n'ai pas entendu, c'est pour ça que je voulais savoir. Je sais que Béatrix va s'attacher à Sepp. À Sepp, mais... Si éventuellement, je peux les suivre sans forcément qu'on pense qu'on est ensemble, moi aussi. mais... En fait, tu vois que les mendiants font pas trop mon attention à toi, et si, a priori, ils en ont après Sepp, tu vois. Oui, c'est sûr. Que... Bah, et c'est qu'ils ont des goûts de luxe, hein. Le Sepp, c'est un peu un plat de riche. Hein. Oui. Oh putain. Donc, Kranich et Onaim, quand vous ressortez, il n'y a plus personne dehors. Il y a peut-être des mendiants qui sont contents. Mais... pas. Bon, bah, rendons-nous à la lice, alors. C'est là qu'il comptait se rendre. En fait, si vous allez au port, le Bérébelli est plus là. Donc, vous repassez devant le tribunal. Donc, vous entendez que des gens sont en train de huer, de balancer des fruits pourris en direction du pilori. Ouais. Voilà. Où il y a encore le nain attaché à ce pilori. C'est exactement ça. Si t'aperçois que hey, c'est le nain. Au bout d'un moment... On va écrire une chanson sur lui, en fait. La question aux gardes qui sont à côté, qu'est-ce qu'il a fait cette... Il a bu, il s'est battu. On dit comme d'hab, c'est quand même que le premier jour du Chef Fun Fest, mais c'est déjà la cinquième fois qu'on l'arrête. Ouais, j'en pose la question, mais il risque quoi là ? Parce qu'au bout d'un moment, il va peut-être prendre beaucoup plus que le pilori, je suppose que le juge va en avoir marre. C'est pas, ça fait une attraction. C'est festif. C'est festif. C'est la joie, c'est les choses. Voilà, hein, c'est de la joie. Chaque année, on en a un du genre, quoi. Là, cette fois, c'est lui. Mais lui, il fait vraiment. Je regarde Béatrice. Ils ont qu'à lui raser la barbe. J'attends qu'elle rende justice.
Non, et justice, il a déjà été condamné. Maintenant, la question, c'est est-ce un signe ou n'est-ce pas un signe ? J'ai pas compris ce que t'as dit. Il a demandé si c'était un vilain petit canard. Ouais, la question, non. C'est est-ce un signe ou n'est-ce pas un signe ? Et là, c'est t'as la libre interprétation. Ouais. Je demande aux gardes si je peux m'entretenir... Enfin, une fois qu'ils auront arrêté de balancer des tomates pourries sur le bas, quand même. Bah oui, balance des fruits pourris jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus, en fait. Mais tu vois, t'as l'impression qu'il y a un commerce, d'ailleurs, parce que des mecs qui arrivent avec des... régulièrement avec des cagettes de fruits qu'on vend, quoi. Donc, a priori, le fruit pourri se vend, hein, à la fin. Oui, je vois ça. Est-ce que si on avait eu des agneaux pourris, ils les balanceraient ? Oh, certainement. Je ne sais pas. Je peux essayer. Non. Bref. Je demande aux gardes si je peux m'entretenir une ou deux minutes avec le nain. Bah, merci. Comme ça, je vais pas vous plaindre si vous recevez un chou sur la tête. Hein. Non, mais je ferai attention. Ah bah, tu vois que les gamins, faute de munitions, se font garer. Il passe au pierre. Non, il est recouvert de pulpe, de fruits et de légumes. Enfin, il y a une feuille de laitue toute noire, âtre, qui lui cache un œil. Il n'y a plus qu'à le faire cuire. Puis-je te suggérer une entrée en matière du genre, vous connaissez notre prêtresse Verena? Non, absolument pas. Vous mettez Verena? Je vais déjà lui essuyer avec ce que j'ai, les yeux pour qu'il puisse me voir, et la bouche aussi pour qu'il puisse parler. Et je me présente, hein, je suis Béatrix, et j'aimerais savoir ce que vous avez fait pour mériter d'être... comme ça, il est là, il est en train de gémir. Je ne vais pas payer mon amende, que je sois libéré. Une amende ? Une amende pour quoi donc ? A priori, il a été condamné à une amende. Et ton amende, une amende. Et une amende de combien ? Deux pistoles. Deux pistoles ? C'est pas la peine de me regarder, j'ai donné. À votre bon cœur. On n'est pas très loin de l'attente du juge. Ah bah, t'es quasiment devant, hein. Bah justement, dans ce cas-là, compte-moi de moi 30 secondes, si, parce que je te lâcherai pas, donc... je ne rentrerai pas dans la tente du juge avec toi, pour une raison simple, c'est ce qui s'est passé, Aldor. C'est pas con. Mais on est là, Cranich chez moi. Vous n'allez pas tarder à arriver. D'accord. Bah, je vais donc rentrer seul dans la tente du juge. Ouais. Et je sais pas s'il peut recevoir tout de suite ou s'il y a file d'attente ou pas. Bah, en fait, il y a effectivement un préposé aux écritures qui est là. Le juge te reçoit pas lui-même pour l'instant, sauf si tu as une demande à faire. Mais il y a un employé aux écritures, si c'est ce que tu veux voir. Je me renseigne auprès de l'employé. J'ai vu que le nain au pilori avait une amende à payer pour être libéré. Je voulais savoir si je pouvais payer l'amende du nain. Vous n'avez pas une meilleure façon de dépenser votre argent, pourquoi pas ? Les voix de Verena sont impénétrables. Les gars, jure pas sur Verena, ça se passe mal. Je vois ça, oui, effectivement. Oui, bah, si vous payez deux pistoles, on fait un lever d'écrou. Ok, bon, mais ben dans ce cas, je vais me retirer deux pistoles de mon. Sérieux, payer une caution, ça coûte moins cher qu'une potion de soin. Oui. Ah oui, non, mais c'est 5 couronnes la potion. Hein. Si je retire deux pistoles de 5 couronnes, ça fait qu'il me reste 4 pistoles et. Et c'est quoi? C'est 20 pistoles la couronne? Tu sais que je t'ai fait une table de cal... je t'ai fait un truc qui calcule pour toi, hein. Oui, mais je sais plus où c'est. Sur ta fiche... sur la fiche Google Docs. Je fais des tableaux Excel pour que ce genre de truc soit calculé automatiquement, parce que justement, c'est pas... Ah, c'est oui, pas de la base 10, donc... Oh là là... Alors déjà qu'il avait du mal avec la fiche d'XP de Cops.
Oh là là. Tu payes bref, de pistoles, toute façon, je paye le truc. Ok, bon, tu fais signer un document, ok. Bon bah, il fait signer un garde qui t'accompagne et ils font la levée des crocs, donc ils commencent à ressortir le... Sur vous, vous arrivez à ce moment-là, Naïm et... Moi, je suis atterré par ce que je vois. Tiens, il a dépensé quand même autant. Même moi, je le ferais pas. Tu veux que je te rappelle moi, tes 5 pistoles Ouais. Donc, bah. J'ai pas une incohérence près. Hein. Est-ce que tu dépenserais autant pour l'un d'entre nous? Oh, bah oui. Ah, je vais aller me faire enfin, ça, hein, mais... ça dépend de ce que vous avez fait, mais. Alors, donc, bah, il libère le nain. Alors, le nain, comme ça, te remercie très obséquieusement. Merci, madame. Ah, toute cette aventure, ça m'a donné grand soif. Oui, mais. Justement, si la boisson est la cause de votre amende, j'aimerais bien que vous évitiez de retomber dans ses travers. En fait, tu fais les alcooliques anonymes, c'est ça? Exactement. Ah mais madame, vous avez raison. Je vais essayer de m'amender. C'est bien, c'est très bien. Je vais pas lui demander, vous n'auriez pas une petite pièce que je puisse aller manger quelque chose de solide? Malheureusement, non. Je n'ai rien pour l'instant, mais je suis certain attends, que... Est-ce que tu veux pas, si tu checkes à lui offrir à bouffer, je veux dire, c'est toi qui l'as sorti de là. Oui, c'est vrai. Je suis certain qu'il y a des pains à la viande que je peux lui payer là. Oui, bah tu peux sans souci. On doit même en avoir, non. On a pas des réserves, nous, un peu. On s'est pas fait. Des rations. On a de quoi les stocker, les balancer. Donc oui, s'il y a un étal qui vend... Tu trouveras des pains à la viande un peu suspects. Bah, disons que tant que tu demandes pas ce que c'est que la viande, c'est rassurant, quoi. C'est du gobelin. Ouais, bah, c'est un rat burger ou un truc du genre, tu vois. C'est le truc qui a deux pièces de cuivre, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. C'est de la viande à base de porc, le porc étant tout ce qui est à peu près à 10 mètres autour du porc. Ouais, c'est à peu près ça. Donc, je lui pèle un pain à la viande en lui disant qu'en effet, il faut qu'il reprenne des forces, mais surtout qu'il s'amende et qu'il fasse... Ils font pas des pains à la viande à l'agneau. C'est quand même le nom du festival, quoi. Ah bah certainement. Mais c'est plus cher, là. Enfin, parce que là, il y a l'agneau vraiment dedans. Comment t'écris agneau? On sait jamais, hein. Non, le nain est d'accord parce qu'il a pensé que c'était un pain à l'agneau, en fait, à la base. Mais bon, c'est pas... Ah non, bah, il te remercie, comme ça, et puis bah, il s'en va. Oui, je sais. Je fais des choses nouvelles, maintenant. Mais au moins, tu sais ce que ça fait de gérer Guillermo, hein. Alors, l'enfoiré. Oh putain! Ça, c'est un coup pas, ça, monsieur. je l'ai pas vu venir, celle-là. Ah, moi non plus, clairement. Ah, le headshot. Bon, après un bref résumé, je félicite notre ami Béatrix pour ce qu'elle a fait. Je lui dis qu'elle aurait plus fait prêtresse de Sigmar que prêtresse de Vénéra. Verena en fait, parce que Verena, je sais pas ce qu'il s'est fait. Verena. Mais non, parce que tu m'as pas encore vu manier le glaive en fait. D'accord. L'un des préceptes de Sigmar, c'est de toujours porter assistance aux nains. Oui, je sais, mais on va dire que depuis un petit reboot, j'ai tendance à essayer de changer ma façon de voir les choses. Mais bon, pour l'instant, je connais pas d'avant. Vous translatez en direction d'Hélice. Mmh. Oui. Alors donc, bah, vous contournez en fait, enfin vous suivez la muraille et vous arrivez jusqu'en Hélice, qui est légèrement décalée par rapport au Schaffenfest en fait. Je cueille un des 10. Manifestement, l'Hélice, vous sentez que vous avez légèrement changé de monde quand même. C'est plus le même public. Parce que clairement, c'est pas l'endroit où vous voyez le plus de plèbes en fait. Ça commence à s'embourgeoiser sévèrement, voire carrément être des nobles. Alors, dois-je vous rappeler qu'à la dernière fois qu'on a fricoté avec des nobles, ça s'est pas très bien passé. Je sais pas, je m'en souviens pas. Vous en venez de quelque chose? Moi, rien.
C'est jamais ouais. Passé. Ouais. Rien. C'est-à-dire qu'ils nous ont pas embêté longtemps, remarque. Hein. On s'est barré, ils ont disparu. Mmh. Ils sont vraiment disparus dans tous les sens du terme. Racontez comme ouais, ça, mais... ça peut te rendre coupable. Hein. C'est fragile, le noble. Il a le sang bleu et tout, c'est mal oxygéné, tout ça. Enfin bon, clairement, c'est... On sent qu'il y a de l'argent, quand même. Voilà. Donc, ils ont dressé une grande tribune le long de la muraille. Dans lequel il y a des gens qui rivalisent d'audace vestimentaire. Il y a des mecs en tenue du livret qui courent dans tous les sens. Il y a des chevaliers, des écuyers qui discutent âprement de tout un tas de trucs, manifestement... des trucs très techniques sur les lys, les chevaux, les lances. Enfin, conversation absolument édifiante. Sauf si quelqu'un se passionne pour les tournois. Pas plus que ça. Ouais, si ça parle d'équitation, je veux bien écouter. Mais c'est bon. Oui, mais alors, en fait, tu t'aperçois très vite que c'est un peu limité au champ de lys, quoi, l'équitation pour eux, toi. Mais tu t'aperçois que c'est vraiment... A priori, les chevaux qu'ils ont, c'est des gros chevaux assez lourds. Ils sont là pour porter des mecs en armure et faire des charges à la lance, quoi. Donc, c'est pas le genre de chevaux que tu utilises généralement dans la nature ou. Voilà. Clairement, vous approchez, vous voyez que les gens vous toisent et vous regardent un peu bizarrement. Et ben. À part 2-3 curieux comme vous, y a pas grand monde qui vous adresse la parole, quoi. Bien, j'avais pas envie de leur parler. Alors, il y a une espèce de très étrange cérémoniel. Vous voyez des gens qui annoncent des trucs, il y a des coups de trompette, des mecs qui se foncent dessus. Des fois, il y en a un qui reste à cheval, il y en a un qui tombe, des fois les deux tombent, des fois ils tombent pas. C'est un mec qui annonce des trucs, vous comprenez pas bien. Ça a l'air assez compliqué, quand même. Hein. Est-ce qu'il y a des blessés? Ah, t'as des mecs qui se relèvent pas, hein. Ah bah ouais, c'est un peu... Ah c'est oui, un on peu est viril, à peu, hein. Est-ce qu'on voit quand même qu'il est tout content quand il y a des blessés, notre compagnon, là? Non, parce que c'est inquiétant, hein, on le connaît c'était pas beaucoup, il aime bien la vue du sang... C'était une question hors roleplay. Non, vous voyez quand même que, voilà, c'est... ça a l'air de se bagarrer un peu, quand même, hein. Ah, mais c'est rassurant quand même, hein. Si on a une horde de d'hommes bêtes et filles qui déferlent sur la ville, on a de quoi être protégé, hein, clairement. Je regarde, mais pas de malheur, toi, ça va pas. Je parle pas de malheur, toi t'es toujours à croire que quand on a la force de raconter des choses horribles, il arrive des choses horribles. Je signale que personne n'a parlé du fait qu'on est tombé sur des hommes bêtes des tournages. Ah, vous connaissez les hommes bêtes, vous aussi? On fréquente dans certaines régions. Alors, les connaître, c'est un bien grand mot. En rencontrer... Des tours d'une route, quoi. Ouais, on a déjà eu quelques petits mal à faire et mal à partir avec ces bestioles. Et d'ailleurs, parce que je suppose que vous êtes au courant de toute cette histoire de papier, de faux, etc. C'est à partir de là que tout s'est... Ah. Moi, mon premier contact, c'était dans une charmante auberge. C'est bizarre, mais homme bête et charmant, ça fait pas très bon ménage, en fait. Ouais, c'est... C'est pas très gentil pour les prostituées d'établissement, mais... À moins que le nom de l'établissement, c'était au repère des hommes bêtes, mais évidemment... Non, c'était l'auberge d'Edna. Je sais plus le nom exact de l'auberge. La croisée des chemins. T'as croisé des chemins. À la croisée des chemins. C'est peut-être, pas des hommes bêtes, mais des femmes bêtes, peut-être. Un endroit que je vous conseille, si oh, c'est sexy. Oh, ça a l'air tellement bien avec tous ces hommes bêtes. Non, mais je veux dire... Pas trop le choix pour retourner vers Nuln, passer par la forêt, mais l'endroit en lui-même vaut le détour, je vous le conseille. Non, mais... Nuln, bof, je sais pas, non, trop envie. Moi, je soupçonne que c'était pas une auberge. Ouais, c'était pas une auberge, exact, c'était un... Maison de passe avec des femmes bêtes. Non. Je le regarde et je me dis que t'as des mœurs particulières, quand même. Nul humour elfe.
C'est un relais impérial. Techniquement, ça pourrait le faire, hein, parce qu'elles ne doivent pas demander beaucoup d'argent. Hein, donc. Ou de chacun ses goûts, seigneur elfe. Les vôtres semblent très particuliers. Non, non, moi je cherche juste une moyen d'arrondir mes fins de mois, c'est tout. Panique, on n'entend plus, là. Je suis là. Oui. C'est parce qu'il polie sa halbarde. Swing, swing. Bon. Vous assistez non, mais... à la vis, c'est plein de mecs qui rompent des lances, sans trop choc, crient très fort, continuent d'hurler ouais, alors qu'ils sont à terre. Ouais. Et quand je me... tu parles au magicien. Oui, c'est vrai qu'il connaît pas mes talents, donc je te parle vers riz, oxyde, poudre, sable, voilà. Et du coup, t'as pas envie de parier? Oh non, je connais rien au truc, non, je vais pas parier. Mais je l'avais prévenu donc. Mais après, d'après ce que vous comprenez, c'est essentiellement en fait des équipes du Reichland qui rencontrent des équipes du Midland. Ah. Ah. Et en gros, ça consiste en des joutes à la lance ou il y a aussi de la mêlée Ah ben pour l'instant, il y a que de la lance. Ah, je vais quand même m'intéresser aux règles du jeu, tu vois. Ok, bah écoute. Pour d'avoir. T'es pas obligé de me le faire. Essaye de comprendre un petit peu. Mais t'as des mecs avec des petits drapeaux, t'as des mecs qui font des trucs. Tu comprends pas bien les annonces en fait. En plus, il y a tout un cérémonial qui est un peu chiant d'annonces avant. Donc les mecs se saluent, ils se passent dessus. Par pur hasard, bon, j'observe bien les armures des gens, des chevaux, pour voir si une flèche pourrait passer à un endroit précis, tu vois. Pour me dire si un jour je rencontre un chevalier comme ça, c'est donc jamais, tu vois. Copate. Ah bah, passion. Mais je suis assez d'accord avec Dantal, hein, le cérémonial est assez chiant. En Ostermark, c'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus direct. Et je te regarde et je te demande, en Ostermark, ils font quoi comme type de verre et quel genre de mélange ils utilisent? Il n'y a pas de verre en Ostermark. Et à ça, je te réponds, alors ils boivent dans quoi? Dans des crânes ou dans des gobelets en bois. Vous êtes des sauvages. Bizarrement, c'est ce qu'on nous dit assez souvent. Ah non, mais c'était une affirmation. Ah bon, j'avais pas vu ça. Bon, donc la fin d'après-midi approche. Vous voyez que la lumière commençant à décliner, les chevaliers commencent à arrêter de se foncer dessus, en fait. On proclame qu'il y en a deux qui... Voilà. Oui, pas mieux. Donc vous voyez les prêtres de mort qui transportent les deux corps. Et derrière, t'as toute une congrégation de femmes qui suivent le truc en pleurant. Des pleureuses. Ah, les pleureuses. C'est ça. Je te regarde bizarrement encore. C'est taré, ce toi. Cette nana est timbrée. L'Ostermark, c'est un pays de timbre. Ah oui, c'est pour ça qu'ils sont affranchis. En Ostermark. Le libre pays, le pays des affranchis. Ils sont tous timbrés. T'as pas honte? Non. Je suis devrais. Voilà, voilà, voilà. Le soir commence à arriver. Que faites-vous? Bah, Cranich et moi-même sommes... Hein. Cranich et moi-même sommes invités à dîner, si je me souviens bien. Non? Oui, oui, oui. J'ai essayé d'y aller? Ouais. Cranich? Je leur demande où c'est qu'ils sont invités, genre qui nous disent, parce que si on leur voit pas le lendemain, qu'on puisse mener un petit raid pour les récupérer. Au cabinet de curiosité. Voilà. Nous okay, a promis un bon repas. S'il n'est pas là repas, demain, cabinet de curiosité, et vous aussi, on saura que vous avez fait enlever. On sera exhibé dans des cages comme curiosité locale. Vous nous avez même pas dit ce qu'il y avait à l'intérieur, en fait. Ouais, c'est un peu triste. Hein. Un gobelin mutant à trois. Ça existe des gobelins du chaos? Très certainement, oui. Bon, bah, dans ce cas-là, on va vous souhaiter un bon repas, un bon truc, et puis on se revoit demain matin. Ouais, parce que je me vois, je vois mal. Tu les mecs, on était invités à deux, on est arrivé à cinq. C'est sûr. Donc, vous remontez quand même ensemble jusqu'au truc ou vous séparez là? Bah, on va peut-être les accompagner jusqu'à l'entrée quand même. Moi je suis plus pour. Moins on nous voit ensemble, moins on peut. Ouais, ils sont à 5 mètres devant nous, dans la foule, et puis voilà, quand on est avec. Oui, par exemple. Bon.
Donc vous repassez, en fait la question c'est de savoir, est-ce que vous repassez par l'extérieur de la ville, en contournant la lisse et en revenant par la porte qui est à côté de la rivière Bogen, ou est-ce que vous traversez la Schaffenfest pour repasser par la porte que vous avez déjà utilisée? Deuxième, non. Bah, le mieux, ça serait de passer par la Schaffenfest, ouais. D'accord, non, mais moi je m'en fiche, hein. Oh, mais pas nous. Si tu poses la question, c'est que c'est peut-être important, donc bon. Bah, je veux juste savoir si vous êtes séparés ou pas, si je dois prévoir quelque chose. Bah, le truc, c'est que, comme il a dit, en fait, il y en a qui passent devant et il y en a qui sont 5 mètres derrière, quoi. Oui, alors, d'accord, oui, non, mais voilà. Vous passez pas à la fête, moi, en tout cas. Donc, vous remontez en direction de la Schaffenfest, vous remontez devant la tente du juge, et vous voyez qu'il y a de l'animation devant la tente, en fait. Oh, me dis pas qu'il y a un nain. Bah, en fait, je présume que tu veux t'assurer que ça soit pas le nain. Bah oui, bien sûr. Voilà. Bah, en fait, tu t'aperçois que, oui, effectivement, il y a un nain, mais ça a pas l'air d'être le même, en fait. Un nain a des couleurs plus bigarrées, et a priori, il accompagne un autre gars qui réclame à grands cris d'être vu par le juge Richter. Oneim et Kranich, vous reconnaissez en fait le docteur Malthusius. Ouais. Ça sent la merde. Hein. C'est le mec qui vous a invité. Hein. Ils ont l'air de se disputer face au juge ou pas? Non, mais tu vois que le mec a l'air assez agité, et puis il y a des gardes qui sont là, il y a un gros paquet de gardes en fait, vous voyez qu'il y a au moins une vingtaine de gardes en fait. Il y a l'air d'avoir de l'animation, les gens regardent. Sûrement pour l'histoire. Ouais, il y a un gobelin qui s'est sauvé. Ouais, il y a un gobelin. Il y a des chances. Je vais quand même aller voir, ça m'intrigue. Ouais, alors tiens, tu me fais un test de perception s'il te plaît. Pense que c'est réussi. Béatrix. Ouais. Le gobelin est sur ton épaule. Alors, t'aperçois quand même que, au pilori, il y a une silhouette qui est attachée. Qui a pas l'air de bouger en fait. Silhouette comment? Bah, genre un nain en fait. C'est pas celui, c'est le même, forcément. Alors. Tu regardes un petit peu, et effectivement, sous la pulpe truie, tu reconnais quand même que c'est le même. Bon, on verra le nain après. On va d'abord voir ce qui se passe devant la tente de justice. D'accord. Bon, ben... Donc ça commence à s'agiter un petit peu, comme ça. Et le juge sort au bout d'un moment. Et il n'a pas l'air content. Non. Ah bon, ça a bien fait, cette histoire. Mathusus, il est là. Oui, comprenez, votre honneur, c'est pas de ma faute. Mon gobelin s'est enfui. Oui, mais ça s'appelle un trouble à l'ordre public, tout ça. Oui, mais c'est le clou de mon attraction. Vous comprenez, ça va me ruiner, quand même. Écoutez, votre bête monstrueuse vient de s'enfuir. C'est un danger pour la ville. Moi, tout ce que je veux, c'est qu'on le récupère et qu'on m'en ait... Vous n'allez quand même pas faire ça, mon entraîneur. C'est mon gagne-pain. Gagne-pain, votre gagne-pain. C'est mort pour le repas. Bonne gagne-pain, pour l'instant, c'est un trouble à l'ordre public. On va le retrouver et s'en débarrasser. Si vous le retrouvez avant, gardez-le attaché. Le gars qui le retrouve, qui arrivera, va t'arriver. Point. Votre honneur, vous m'arrachez le cœur. Et vous heureux que je vous mette pas au pilori non plus. Pas faux. Surtout à côté d'un homme, quoi. Malthusius qui vous aperçoit. Ah, mon sauveur, il est là. Donc, il s'approche de toi, Onaïm, en fait. Non mais je me suis pas rapproché, hein, j'ai laissé... Oui, tu mesures 1m80, je te rappelle. Ah bon, d'accord. Oui. Et merde. C'est moi. Vous mesurez presque tous 1m80, vous êtes grand, hein, je vous rappelle. Hein. 1m85 pour ma pomme. 1m89. 1m77, je sais pas... Vous êtes tous très grands. Bah, vous savez, malgré ma taille, moi, je casse pas trois pattes à un gobelin. Hein. Donc, Au secours. Arrête. Je m'attends. Ah, que tu dises. Je me suis demandé quand est-ce que Ellie allait la sortir, celle-là. J'attends depuis le début du scénar. Voilà, ça c'est fait. Check, le bingo Ellie a commencé. Ouais, j'aime bien.
Donc, ah, vous l'avez rattrapé, vous le connaissez déjà, s'il vous plaît, sauvez-moi. Je vous donnerai 50 couronnes. C'est bon, on y va. C'était obligé. Pour savoir cela auprès de la garde qui sera plus que ravi de vous aider pour. Non, mais la garde, ils vont lui faire la peau. Vous l'avez déjà attrapé, il vous connaît, il vous fera confiance. Enfin, J'en doute, mais si on doit le rechercher, il suffira de suivre les cris. Un gobelin à trois pattes ne passera pas inaperçu. Un gobelin en tout pleine court, fête. En fait, hein. À mon avis, c'est qu'il a fait quelque part. Dans les égouts. Là, je pense que Kradish, il est moins chaud. Là. À propos des 50 pièces d'or, c'est uniquement vivant ou mort, ça marche quand même? Non, vivant. Ouais, ça c'est plutôt méchant. Alors dans ces cas-là, s'il est mort, ramenez-moi mon cadavre que je puisse l'empailler, quoi. Oui, ça c'est faisable. Je suis étonné que tu négocies pas 25 pièces d'or, le cadavre. Ça veut dire aussi que son cadavre ne doit pas être trop molesté, en fait. Hein. Bah, il sera percé. Vous allez donc faire ça? Bah, on va surtout essayer de ramener un peu de calme, parce qu'on voit que ça a l'air de causer soucis. Donc oui, on va vous le ramener. Et cette fois, mettez-le sous cage et fermez à clé, quoi. Attendez. Ça fait quand même deux fois. Alors, t'as le juge qui est là, encore vous? Non, moi, je suis pas là. Je ne l'ai pas suivi. Hein. Je ne m'approche pas du juge. Hein. C'est mort. Je tiens à le dire. Attends, l'elfe n'était pas rentré, donc non. Ah oui, c'est ça. Oui, non, c'est encore vous. C'est pas vous, la folle, là, qui avait libéré l'autre... La folle. Oui, le nain, mais d'ailleurs... C'est bien lui qui est retourné au pied de Loiry. Ah bah oui, ça a l'air d'être lui, ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu poses la question? Pour en être sûr. La même chose qui s'est passé les 5 premières fois. Et si on peut développer un petit peu plus, parce que... C'est quoi, il a volé... Il s'est enivré, il s'est bagarré, on l'a arrêté... J'en ai pour 30 secondes. Hein. Je vais voir le nain sur son pilori. Il va t'envoyer chier. Alors, comme ça, on n'a pas pu... Est-ce qu'il y a un mec qui vend des fruits et des légumes pour que j'en balance une sur Béatrix, là, parce que... Ah bah, tu peux y aller, c'est un sou, le fruit. Écoute, juste en me planquant dans la foule, juste pour l'emmerder, pour le fait de le faire. Hein. Et d'accord, bah fais... Pour... Ouais, bah, tu me fais juste un test de CT. Fais-moi un 99 que je me marre. Tu sais que... Attends, il est où le truc? En vrai, si tu veux, tu peux me la donner, hein. Moi, je vais viser, hein. Y'a pas de problème. Hein. Tiens, je le file, hein. Tu vises mieux que moi. Oh putain, il est là pour rattraper l'autre. Une bonne tomate bien... Voilà. Tiens, cadeau. ça passe, parce que j'ai un plus 10, parce que je dis que je visais. Pas faux. Alors oui, mais alors, t'as un petit moins 10 parce que c'est un projectile qui est pas équilibré. C'est pas grave, je dépense un point de fortune. Ça, c'est fou. Ça, c'est moche, ça. C'est moche, monsieur, ce que vous faites. J'aime bien, moi. Je suis valide. Ok, donc bah écoute... T'as une tomate tu, qui t'a qui tu vises avec ton projectile non équilibré. Sur ton dos. Paf. Ah, bravo. J'essaie de me retourner pour voir qui a balancé le truc, mais évidemment, je ne le verrai pas. Bah, moi, je mets le doigt vers Sepp. Hein. Je le verrai pas. Je me retourne pour voir qui l'a fait, mais je ne le verrai... C'est pas que je ne le verrai pas, c'est que je ne verrai pas. Ah oui, voilà, c'est ça. Quoique, si Dormtal me pointe Sepp du doigt, je vais fusiller Sepp du regard. Surtout que Sepp, il regarde ailleurs, en fait. Hein. Oui, d'autant plus qu'il regarde ailleurs avec l'autre qui le pointe du doigt. Bon. C'est encore plus suspect, quoi. Ouais, tout à fait. Donc... T'as le juge qui il appelle, il a l'air d'être un sergent de la garde, et il chuchote un truc à l'oreille, et il rentre dans... Et
Là, t'as le garde qui va voir Malthusius, qui fait quelque chose. Alors, comme il y a du bruit, vous n'entendez pas. Le garde se rapproche et lui dit que je vous désirais vous voir. À qui? Il y a manifestement Onaim, Dantal et puis les gens qui sont avec eux. Bon, bah, je vais vers. On va aller suivre. Hein. Alors, qui y va? Bah, moi, vu qu'il veut me voir. Moi, et je reste derrière. J'ai pas compris ça s'appliquait à moi quand il parlait de ça en fait. Parce que, comme je considérais qu'on s'était séparés un peu. Alors, je le redis, il a demandé, il est allé voir Onaim et Dortal, et il a dit que si eux et leurs amis voulaient bien venir, le juge voulait les voir. Ok, donc c'est. Dortal, il était pas avec nous, Onaim, il était pas avec nous. Qu'est-ce que tu veux? Je sais rien. Je suis pas obligé de venir, mais tu l'as invité quand même, je pense. Alors c'est clair, hein, si t'y vas pas, je reste avec toi, donc c'est... Bah viens, ouais, franchement, on en est... franchement, je pense qu'il pense plus à son nain et au truc, et je pense pas qu'il va faire le lien avec les deux trucs, là. Je pense que ça le fait chier. Mais de toute façon, toi, il t'a pas appelé, donc tu peux rester dehors. T'es avec moi, le je nain, reste... toi. Oui, mais... Tu fous la tomate, hein. Donc... Si tu rentres dans la tente, je vais rentrer avec, hein. Non, tu rentres pas. J'y vais avec Kranich, mais toi tu rentres pas. Si tu veux. Si ça a été bafoué. Toi t'as des baskets donc tu rentres pas. Non, mais clairement, c'est une très mauvaise idée. Ouais, l'autre, voilà, parce que je suis d'Ostermark que je rentre pas quoi. Non, parce que tu t'es fait remarquer avec des histoires à la con, avec ce nain, et comment ça s'appelle? Et tu veux pas qu'on nous voit ensemble, ça merci. Et j'ai pas envie qu'ils voient en fait qu'il y ait une. Une femelle d'Ostermark qui aurait peut-être fait des choses, voilà, hein, hein. Aldorf voilà. Donc moi je les suis, mais sous condition que Béatrix, elle reste dehors. Bon, moi je reste avec mon nain, voilà. D'accord, donc, Nous, les quatre y vont, sauf moi. Il va nous proposer une mission pour le gobelin. Ah oui. Alors, on vous fait rentrer dans la tente du juge. Bon. Malthusius, j'ai bien conscience que c'est votre gagne-pain, mais moi je veux qu'on débarrasse ma ville de tout ça. Donc, j'ai pris la décision. Voilà. Malthusius vous offre 50 couronnes. Nous, on va doubler cette somme. Voilà. On rajoute 50 couronnes. Vous êtes les invités de la ville. Donc, on va vous installer à l'auberge. Voilà. C'est la ville qui régale. Et ce que je veux, c'est que vous nous débarrassiez de ce gobelin maintenant. Pendant la nuit. Alors, ouais, dans la tête de Sepp, ça fait boobitrap, 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 boobitrap. Mais sinon, tout va bien. J'avais raison, c'est bien une mission pour le gobelin. Est-ce que les égouts sont assez grands pour un arc long? J'ai pas pour habitude de me travailler dans les égouts, mais je pense que... Je demande à un mec de la garde qui doit peut-être connaître. Oui, vous devriez, oui. Disons que vous devriez avoir plus de mal dans les conduits secondaires, ça c'est certain, mais dans les collecteurs, oui, pas trop possible. Il y a à peu près 2 mètres de... Ouais, allez. Bon, eh bien, en chasse. Non, puis... parce que 2 mètres, je fais 1m80... 9 Oui, mais en chasse quand même, en fait. Oui, mais bon... Oh, t'inquiète pas, je passe devant. Oh, on te passera une arbalète. Ouais, on peut passer une arbalète. Ah non, ils font pas une arbalète, c'est de la merde. Ils vont me battre à l'épée, hein. Mais... Vous acceptez la mission? Ouais. Oui, 100 pièces d'or, ça va le faire. Hein. Et par contre, mort ou vif, hein. On est d'accord. Non, mort. Bon. Alors, plutôt vif. Ah, mais la ville. Alors, le juge foudroie Malthusius de regard et dit, moi, je veux que vous m'en débarrassiez. Voilà. Alors, si vous l'attrapez vivant, c'est pour Malthusius. Si vous devez le tuer, par contre, on veut voir le corps. Oui, au pire, si vous le tuez, je veux voir le corps aussi. Hein. Je peux l'en payer. Plus, ça suffit. Oui, hein. Il va se finir en taule, lui. Hein. En gros, la ville nous offre 100 pièces d'or pour ramener le gobelin mort au vif, mais on n'est pas obligé de le tuer.
je comprends bien. Non, la ville nous rallonge 50 pièces d'or. En gros, si on ramène vivant. La ville vous rallonge 50 pièces d'or et même Mathieu vous en donne 50 aussi. Si on ramène vivant, on a 100. Si on le ramène mort, on a 50 plus ce qu'on arrive à négocier avec l'autre. Non, si on le ramène vivant, on a 150, si je comprends bien. Non, reste 100. Reste pas. Non, 100. Reste pas. Avec je dis que je la somme. C'est pas dit que le juge laisse partir le gobelin à Malthusius. Hein. Je pense qu'il pourra aussi s'en faire un exemple. Moi, je faites comme vous voulez. Si vous acceptez, vous acceptez. Moi, je suis. Qu'un suiveur. Bon. Et argent. On sera les invités de la ville. Oui. Vous êtes invités. On va vous réserver une chambre au final de la ville à la fin du voyage. C'est une des meilleures auberges de la ville. Vous pouvez y déposer vos affaires, vous préparer, et le sergent va vous porter sur les lieux du crime. Ouais, l'auberge de la fin du voyage, moi j'ai envie de continuer un petit peu mon voyage quand même. Hein. Mais tu le sens quand je disais qu'il y a un piège. Voilà. Bon, pense toi là, toi, Béatrix, dehors, le nain. Ouais. Ok, tu commences à parler au nain? Ouais. Pas. Il est complètement dans les vapes. Il a l'air flash. Oh putain. Et il y a pas une espèce de seau avec un puits où je peux lui balancer un seau? Non, bah, tu peux prendre un seau d'eau. Il y a un seau pas loin, de toute façon. Bah voilà, bah, c'est ce que je vais faire. Déjà, ça va au moins le réveiller s'il était un peu dans les choux et ça me donnera une bonne idée. Alors, dans les choux, c'est exactement ça. Hein. Excusez-moi. Voilà. Dans les tomates. Dans les choux, les tomates, les navets, les poireaux, les... C'est ça, je reviens. Bah, les tomates, il y a aussi, donc ça va. Ouais, c'est enfin. Bon. Bon, donc je lui balance un gros seau d'eau glacée dans la tronche, histoire pour de le nettoyer et de le réveiller en même temps. Voilà, t'arrives à peu près à obtenir un... Ah oui, d'accord, ok, donc il est bien dans cet état-là. Je viens de tuer. Tac, choc thermique. Oh, puis tu viens de lui donner de l'eau, quoi, un nain, quoi. Ouais, c'est à peu près ça. Non, mais je vais lui faire la morale, hein, clairement, vous vous rendez compte, vous mettez dans cet état pareil, alors que je vous ai donné l'occasion de repartir sur une nouvelle base et tout. Puis-je te dire un truc, quand même? Je pense que quelqu'un qui... Alors, attends, t'es pas là, voilà. D'accord. C'est pas grave, t'es pas là. Je sais, mais t'es pas là. Donc, vas-y. Donc oui, je lui dis, franchement, vous aviez l'occasion de repartir sur une nouvelle base, de recommencer tout à zéro, etc. Pour les trucs que vous faites, si vous refoutez dans un état pas possible, en vous torchant et en provoquant encore des troubles à l'ordre public, j'interviendrai pas, là. Hein, je vous ai laissé une chance, vous l'avez grillé, ben tant pis pour vous. Alors, tu entends marmonner une espèce de truc comme ça? T'as du mal à l'entendre. Ouais, j'ai pas compris. Bah, il marmonne un truc. Est-ce que vous pourriez articuler, s'il vous plaît? Alors, t'as du mal à l'entendre parce que t'es un peu loin, en fait. T'es un peu loin. Bon, je vais me rapprocher. Je sens qu'il veut foutre un clébou dans la gueule. À boire. Oh putain, mais c'est pas vrai, il continue en plus. Non, ça serait moi, je vous mettrais pas au pilori, je vous mettrais au pain sec et à l'eau. Ça va pas d'un sort, pareil. Non mais à l'eau quoi, t'es au pilori quoi. Bon. Pilori pilaf. Hein. Ouais, exactement. Non mais sérieusement, elle était très mauvaise celle-là, Kevin. Mais bon, bah dans ce cas, je vais laisser le nain subir sa sentence et je vais attendre les autres à quelques distances de l'attente de justice. Je vais poser une question. Ouais, vas-y. En fait, je demande au juge ou au garde, etc., s'ils connaissent quelqu'un qui pourrait nous servir de guide dans les égouts, parce que nous, on les connaît pas. Et il n'aurait pas à se battre, il serait juste derrière nous, mais il pourrait nous guider, quoi. Les gars dans la ville qui nous connaissent bien. Une carte des égouts. Alors, ouais, la carte, ouais, on va pas l'abîmer, quoi, mais... À cette heure-là, trouver une carte des égouts, voilà, quoi. Pas une carte, mais quelqu'un, peut-être, qui... Alors, de toute façon, le sergent va vous accompagner avec avec sa patrouille, et il va vous montrer les points d'accès. Et... Ouais.
voilà quoi. Après, vous vous débrouillez, hein. Oh, mais voilà, juste pour rendre la mission plus efficace. Bah, on l'a déjà rendu plus efficace, on vous envoie vous. Puis Et vous regarde, vous aventuriers chevronnés. Oui. Pas de soucis. Ah, on a tué des jeunes bêtes déjà. Comment ? On a tué des hommes bêtes sur la route. On a déjà tué des hommes bêtes. Voilà. Je veux savoir, on va pouvoir gérer un gobelin. Problème. Alors là, il y a un garde qui arrive à côté de vous. Moi aussi, vous savez, j'étais aventurier, puis j'ai pris une flèche dans le genou. Ouais, j'ai envie de lui dire que moi aussi, mais je vais me retenir. C'était dans le mollet. C'était dans le mollet. C'est pas pareil. C'est dans le mollet. Et puis, t'es pas un aventurier, toi. Hein. Je suis désolé, tu fais des vitres. Hein. Pareil. Non, il fallait que je la place, celle-là. Parce que pas comme si tout le monde l'a placé mais, depuis 5 ans. Hein, mais, Bah ouais, mais on est en train de jouer à Skyrim avec Chrome. Bon, du coup... Bah donc... Le sergent vous fait signe. Il est escorté par 4 gars. Donc, Matrix, tu vois tes compagnons ressortir avec un sergent et 4... Bah, je vais les suivre à bonne distance. Bah, commence à remonter tout le long de la muraille pendant le Chef and Fest. Ils vous reprennent vers la porte que vous avez déjà empruntée. Et ils vous conduisent à une auberge. Le grand standing qui est juste à l'entrée de la ville. L'auberge de la fin du voyage. Mm-hmm. De toute façon, tant que le sergent et les hommes d'armes sont avec eux, je me rapprocherai pas. Bah, on va faire le tour des différents lieux. Il vous amène là-bas, mais il vous demande vous pouvez déposer vos affaires, préparez-vous. Tel l'aubergiste. Ah, nous sommes honorés d'accueillir des gens mandatés par le juge. Si on peut vous être agréable. C'est avant qu'il y ait. Attendez, faut d'abord qu'ils descendent dans les égouts. Hein. Leur être agréable, à la rigueur, préparer leur un bain. Hein. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire ? Est-ce que. Techniquement, dans les faits, un arc, ça aime pas trop l'eau. Hein ? Ah oui, un peu, oui. Voilà. Je me suis dit, est-ce que. On peut considérer que je trouve, que je suis démerdé pour trouver du matériel pour le graisser et le protéger un peu. Ou est-ce que c'est peine perdue et ça me prendrait trop de temps et il vaut mieux que j'abandonne l'idée d'aller à l'arc et que il y avait du matos plus léger. Alors, graissé et entretenu, il l'est. T'as ton matos avec toi, il y a pas de souci. Le truc, c'est que une chose est certaine. Tant que tu tiens ton arc en dehors de la flotte, ça ira. C'est si jamais tu le retrouves plongé dans la flotte que ça. Ouais. Tu glisses quoi. Bah non, mais si tu as. Bah après, si faut changer la corde, c'est pas très grave. Je peux faire d'autres, mais après. C'est court, c'est pas trop grave. La corde peut casser facilement. Mm-hmm. Pour en avoir une autre. Disons que de toute façon, ton arc est fait de bois qui a déjà été travaillé et tout ça. Bon. T'aimes pas l'eau, mais enfin bon, ça peut quand même rester un peu à l'humidité. Ouais. Quelque temps, hein. On va prendre de risques. Il y a l'épée. On va essayer de le capturer ou on part pour le tuer, en fait ? Bah, si je prends mon arc, moi je pars pour le tuer. Hein, donc, quelque part. Remarque, on peut l'amputer déjà. Je pense que si on l'ampute, c'est pas la peine de le prendre en vie, en fait. Que la récompense. Disons que le gobelin à trois pattes unijambiste. Voilà, le gobelin à trois pattes unijambiste, ça va pas le faire quand même. On va prendre des filets, des choses comme ça, non, peut-être pour essayer de le récupérer en vie. En fait, et le tenir. Prendre de la corde Ouais. Ouais. Hey, t'aurais pas des ascendants hobbits. C'est l'histoire de Sam Sagas, de cordes. Donc, bah écoutez, le sergent va vous presser quand même un petit peu. Techniquement, est-ce qu'on a des. Est-ce que tu considères qu'on a nos armes habituelles en fait ? Alors, à mon avis, vous avez vos épées, mais vous n'avez pas vos arbalètes ni tout ça. Kranich, il a sa halbarde parce que je vois mal Kranich sortir sans sa halbarde en fait. Je le vois bien couché avec sa halbarde en fait, tu vois.
Enfin, dans l'albarde dans les égouts, c'est pas plus pratique non plus. Hein. Ah, ouais, mais Kranich, sans sa albarde, il est tout nu. Hein, donc... Ouais, il a une épée. Hein. J'ai une épée. Mais... Alors, oui, par contre, oui, l'albarde, clairement, la elle risque de te gêner dans les égouts. Hein, Je peux prendre mon épée. Hein. Alors. Juste la halbarde ici, moi, c'est vrai que j'y pense, ouais. Puis, oh, merci de m'y avoir fait penser, surtout. Puis, ben, je prends l'épée. De toute façon, j'allais te le rappeler, t'inquiète pas, c'était... Je crois même que j'ai un bouclier de mémoire, non ? Le sergent et les gardes les ont laissés, au fait, à l'entrée, là, où ils sont toujours avec eux ? Pour l'instant, ils sont toujours avec eux, ils sont toujours à l'auberge. Ok, bah, de toute façon, moi, j'attends dehors... Prends le bâton parce que c'est une arme assommante et défensive. Mmh. Je garde quand même ma hache à la ceinture au cas où et je récupère de la corde pour attacher le et des torches et une torche. D'accord. Il y a personne qui sait manipuler. Alors, pour manipuler un filet, il faut avoir la compétence, maîtrise des armes paralysantes. Ah. Alors, vous pouvez toujours essayer d'utiliser un filet, hein. Seb, il va lui parler de Verry, ça ira. Voilà. Puis, de toute façon, on n'est pas en Ostermark ou uniquement à la grenade. Alors, à ça, je vous réponds pas. Que je ne parle de Verry qu'aux gens qui sont assez instruits pour comprendre. D'ailleurs, pour ça que y a certains qui veulent plus écouter. Au pire, je suis versé dans la magie et je connais un sort de sommeil qui pourrait nous aider. Ouais. Ouais. La magie. Ouais. Ce truc un peu incontrôlable là. On enferme des mages dans des endroits pour pas qu'ils fassent des conneries, c'est ça? On raconte beaucoup de choses sur les mages. Qui sont plutôt vrais. Et... Certes, mais ce n'est pas une généralité. Vous avez le sort pour transformer en mouton ? Non. C'est pas le bon jeu. Ouais, c'est le bon festival, hein. C'est le bon festival, hein. Je suis désolé, mais... C'est pas faux. Ouais, ça reste pas le bon jeu. Sinon, si t'as une pierre de lune, tu peux transformer des chèvres en eau pure, hein. C'est pas mal, ça. La viande de chèvre, non. Et ça, faut trouver faut trouver le vainqueur de la belette de Winchester, hein, donc C'est pas de à tout le monde. Ouais. Je crois que le MJ fatigue. Non mais j'étais en train juste de me dire que c'était quand même vachement plus sympa de lancer une boule de feu avec une dent de requin plutôt qu'avec une dent de furet, mais bon. Oi, 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 oi. Voilà, bon, ça c'est fait. Donc... au bout d'un moment, bah, les gardes vous pressent de sortir. Et donc, ils vous conduisent jusqu'à la roulotte du professeur Malthusius. Il vous attend. Alors, il vous accompagne jusqu'à la muraille, en fait, où vous voyez qu'il y a un regard d'égout. Et, vous regardez si vous trouvez des traces. Je crois qu'il y a un pisteur dans le groupe. Hein. Faut peut-être qu'il fasse un jet de perception pour trouver les traces. Je sais pas si la seule a réussi à un seul jet de tâche. C'est donc loin quand même de demander des trucs. Ah, je rate un point. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Tu peux utiliser un point de fortune. Attends. T'as pas besoin. Non, il y en a plus, besoin. Il a tout utilisé pour relancer une tomate. T'as pas besoin parce que t'as quand même pas beaucoup de traces qui mènent jusque là. Donc t'arrives à repérer quand même les traces. Du gobelin à trois pattes, parce que c'est marrant, parce qu'une bestiole à trois pattes, quand même, ça a l'air d'être assez facile à pister, quand même. Donc, effectivement, vous vous rendez compte que, oui, le gobelin est bien passé par là. Ou, tu reconnaîtras à peu près ses traces quand tu les verras. Mais du coup, il marche comment ? Il met les deux extérieurs devant et celle derrière ? Il tombe d'un côté en fait. Quand il court, a priori, il a l'air d'avoir deux pattes au sol, ça a l'air un peu bizarre quand même. Ouais. Et une qui traîne quoi. Donc voilà. Tant qu'il est du bon côté de la montagne et qu'il tourne pas, c'est bon. Hein. Alors donc, avec vos tailles, clairement, vous ne pouvez pas passer par là. Et les pliés d'avance. Vous êtes bien trop grand et pas assez souple pour passer par cette bouche d'égout.
Bon, bah, on va vous amener une bouche d'égout non loin de... les deux plus proches, il y en a une qui est pas très loin d'ici. Et sinon, il y en a une autre qui est presque derrière l'auberge où vous étiez tout à l'heure. Ou alors, si vous voulez aller un peu plus loin dans la ville, il y en a une... Alors, je vous l'ai marqué sur votre carte. Il y en a une là, et il y en a une dans les plus proches. Et nous, on est où là? Alors, vous êtes... Il y a Béatrix qui est là, je vais la prendre. Vous êtes ici. Voilà. Non. On va aller où? Je pense. Ouais, c'est le plus proche. Enfin, vous y allez, moi je vous suis. J'en indique d'autres. Une ici, une là, l'autre là, et c'est tout. On peut ramasser. Tu veux faire le petit QC? Ouais. Bon, jamais. Une craie ou quelque chose comme ça, quoi, histoire de pouvoir faire une. J'ai ma dague et puis je peux marquer sur le mur si. Et comme ça, t'auras plus de dague quand tu seras devant lui. Oui, mais j'ai. Azou, hein. Bon. Est-ce que tu nous autorises à avoir un moyen pour marquer notre chemin, quoi? Moi, je suis pas. Ça dépend de ce que vous voulez. Comment vous voulez marquer? Bah, c'est ce qui te propose. Pas tard, plusieurs solutions pour savoir si on. De la craie. Alors la craie, bah. C'est pas le droit de regarder, faire référence à des. Vous pouvez regarder des si vous trouvez ça sur la Schaffenfest. Ouais, enfin, on a pas le temps là. Ouais. Si vous me dites que vous avez pas de craie, c'est décidé, je me barre. Hein. Bah, pourquoi on aurait besoin de craie? On a toujours besoin de craie. Oh. Bah, pourquoi t'en as pas? J'ai pas écrire, moi. Ouais. Mais justement, si tu sais pas écrire, pourquoi tu dis qu'on a tout le temps besoin de craie? T'en sais rien. Alors, moi je serais d'avis de vous amener à celle qui est à côté. Maintenant, si vous voulez en prendre une autre. Oui. On connaît pas la configuration des égouts, donc on va prendre la plus proche. Hein. Yep. À moins que les autres aient une autre idée, mais... Après, sinon, on peut faire, une approche à la Daggerwood, quoi. Au premier et au 18e trou, et rendez-vous au parcours, quoi. Ouais, alors je le sens pas, son plan. Bon. Moi, je sais que un des grands joueurs de golf actuel, c'est le président des États-Unis, donc ce plan me paraît foireux. Donc... Mon Dieu. Est-ce qu'il y a... Mon explication te paraît aussi foireuse? Exactement. C'est dans un jeu, peut-être, dans un univers où le président est... golfeur, mais... Trump, il est très bon au golf, en fait. Ah ouais, il ouais. S'entraîne à Miami. Ah, c'est classé, mais il est, a priori, il touche bien. Ouais, c'est parce qu'il possède les golfs, c'est tout. Alors, il touche bien. Pareil quand même que c'est... son jeu, c'est pas la finesse. Hein. Ouais, ça, bon. Comme c'est étonnant. C'est-à-dire que c'est lui qui positionne les trous, tu vois. Je déplace le trou, ici. Capitale de Israël, ici. La même, hein. Que décidez-vous de faire? Bah, je te dis, je vais cramer. D'accord. Donc, bah, écoutez, le capitaine. Enfin, vous rentrez dans le. Dans la ville, escorté par les 4 gardes. Et. Enfin, les 5, puisque c'est les 4 gardes. Et ils vous amènent à la bouche d'égout. Et tout proche. Voilà. Bah, écoutez, ils vous montrent la direction approximative de l'endroit. D'où vient le gobelin, voilà, c'est par là. Et bonne chance. Donc les gardes retirent la plaque d'égout qui a l'air assez loin quand même. Et une odeur assez caractéristique d'égout commence à assaillir doucettement vos narines. Je lui demande s'il va laisser la plaque ouverte quand même. Bah, disons que on va la refermer pour éviter que le gobelin se batte. C'est pas faux. Les sorties des égouts, ça se jette dans le fleuve, je suppose. Ouais, et le fleuve, c'est par là. Il vous indique la direction opposée. La vision nocturne, je peux me la foutre au cul, non, dans les égouts. Enfin, c'est puissant, non? Alors, à partir du moment où un de tes camarades a une torche,
Il n'y a pas de soucis. Ouais. T'as pris une torche, ouais, rassurez-moi. Prends une torche. Bah oui, non, oui, j'ai déjà pris torche, une torche. J'ai déjà pris une torche. Ouais. on va peut-être en prendre plusieurs. Béatrice et Seth aussi ont déjà pris une torche. Histoire d'être certain qu'on a... On s'est torché, c'est pas la même. Non, c'est exactement ça. Bah, vous êtes pris une torche. Et disons que, est-ce que la durée de vie d'une torche suffira à explorer tous les égouts Ouais, ils ont filé 5 ou 6 torches, ils vont pas vous laisser sans torche. Mais... Vous avez une torche chacun. On est paradins de la torche ici. Ah. Non mais je préfère. Voilà, voilà, voilà. Eh ben on avance, dans les égouts. Ok. Donc... vous descendez, donc la plaque d'égout fait environ 75 cm de large, ainsi que le petit tunnel qui vous permet de descendre. Vous descendez d'environ 2,53 m, et vous arrivez dans un collecteur, en fait. Donc qui est un... Comment ? Bleu ! Oh merde, t'as gagné. Un plan, ça ira, un plan. Hein. Le MJ s'est fait déconnecter ou... Non, pourquoi ? Tu m'entends pas ? Pas très bien. En fait, t'as arrêté ta phrase un peu au milieu. Voilà, c'est parce que j'ai entendu Kaboulox en fait. Mais en fait, j'ai mis Kaboulox quand la phrase était arrêtée. Hein. Oui, quand il y a plus rien, parce que On a entendu, vous êtes dans un collecteur qui ressemble à. Moi j'ai dit bleu. Ça, ah oui, oui, et bleu. Puis, non, j'ai dit, je vais vous faire un dessin. D'accord, non, ça on l'avait pas. Désolé. Alors. Je vous le dessine à main levée, hein. Ouais. Très bien, j'ai des talents de dessinateur absolument incroyables. De toute façon, les goûts et les couleurs, tu sais. C'est ça. Ah, Marc, non, attends, je vais essayer de faire un truc. Justement, on est dans les égouts. Ouais. Alors, fais un truc bien, bien rouge et bien vert, tu vois. Ça, ça va plaire à Monsieur Tour. C'est important, ça. Voilà. Oh, putain. Merci. Alors ça, merci. Voilà. Vous le voyez mon dessin ou pas un du tout? Ouais, ouais, oui. Ouais, on va... Ah mais c'est un champignon. C'est un collecteur. L'eau est bleue mais c'est juste c'est juste une vision de l'esprit hein, parce que très honnêtement l'eau n'est pas bleue. Hein. Elle est noire. Elle est de couleur. Voilà, avec voilà, des trucs qui flottent dedans. Il y a des couleurs qui sont même pas dans le manuel, tu vois. Alors. Ça fait 1m50. Cette pion-là fait 2 mètres. Et ça fait environ 3 mètres. La profondeur de l'eau Tu veux essayer de sonder? Bah c'est dommage qu'on n'ait pas la hallebarde, on pourrait tester, mais... Pousse... Non mais s'il y a un bout de bois, ouais, je veux bien tester, quoi. Mais ouais, je vais personne pas mettre ma main. Personne touche à mon bâton. Je vais pas mettre un... Je confirme, hein, personne touchera à ton bâton. Après l'avoir mis dans l'eau. Non mais... Deuxième question, est-ce que la plaque d'égout est lourde à porter? Oui, elle a l'air d'être assez lourde à porter. Oui. On pourrait pas essayer de la resoulever histoire de faire en sorte que Béatrix nous rejoigne? Ah oui, si, tu peux. Oui, ça serait une bonne idée. Au bout de 5 minutes, de toute façon, les gars sont partis et Béatrix peut vous rejoindre. Ah, ça, ça fait moins d'argent à se partager quand même. T'inquiète pas. Ça, tu voulais pas donner sa part à Béatrix? Oh, mais c'est quoi cette injustice là? Mais de toute façon, tu voulais priver un dieu de la justice de sa part? De toute façon, Béatrix, elle a juste besoin de payer sa dîme, hein, donc le reste, elle a pas de besoin, elle vit de justice et d'eau fraîche. Alors, moi j'aurais plutôt dit de justice et d'aquavit, mais bon. Donc, vous êtes là tous les 5. Dans les égouts. Quel cadre idyllique. Ouais. 1m50, c'est facile à enjamber, non? Alors. Les égouts. Alors, ça a l'air maçonné, en fait. La partie où vous êtes, en tout cas, a l'air maçonné. L'eau, bien évidemment, nauséabond. Le plafond fait 2 mètres à l'endroit où c'est. Enfin, quand on se rapproche du.
du canal, en fait. Parce que quand vous vous rapprochez des bords, ça fait moins de 2 mètres. Hein. Donc si vous voulez avoir 2 mètres de plafond, faut marcher à côté du canal. Sinon, faut marcher le long du mur, ce qui vous oblige un peu à vous pencher. Et c'est large de 75 cm, hein, le passage. Okay. Enfin, donc vous avez 75 cm de chaque côté. Vous voyez que ça a l'air glissant. Clairement, tant que vous marchez prudemment, il n'y a aucun souci. Par contre, si vous commencez à vouloir marcher autrement que prudemment, ça commence à devenir un peu plus folklore. Mais l'autre avec trois pattes, il doit être en galère, sa race, c'est quoi ? Non, mais il est petit. Ouais, centre de gravité qui est bas. Ou alors il s'est déjà noyé. Alors Marc, c'est pas si mal que ça. Hein. Il a un vrai plan avec ses pieds, donc ça peut être pas mal. Hein. Mm-hmm. Faire un petit glisser déposé tranquillou, quoi. Mm-hmm. Bah oui, les deux pieds en arrière pour la tenue et le pied en avant pour guider. Qu'est-ce que vous désirez faire ? Avancer. Je suis notre pisteur. D'accord. Bon, bah écoute, tu vas en direction de ce qui te semblerait être à peu près l'endroit où le gobelin serait susceptible d'être allé. Ouais. Et je veux préciser que nous ne sommes pas en forêt. Hein. Voilà. Ouais, mais je sais. Pourtant, ça pue comme dans les sous-bois ici. Ouais, c'est vrai que ça sent le Dormtal. je suis désolé, mais les sous-bois sentent la fraise des bois et la noisette. C'est très très bien. Ce petit chemin. Par la noisette. Alors, je rappelle soudain. C'est moche d'essayer d'attendre un jour de fête. Quand même, hein. Moi je valide. C'est traduit XP, tiens. Fais gaffe, hein, parce qu'on va te servir de la noisette à tous les repas, nous. Hein, si tu balances de l'XP pour de la noisette. Hein. Donc, ah, mais il y a la chanson quand même. Oui. Tu me fais un petit test de tâche, s'il te plaît. Ouais, sachant que j'ai 34%. Hein, je... Ouais, oui, mais y'a pas de soucis. L'avoir pistage de la tablée ouais. Oh, je me suis on fire là. Oh, oh, oh. Ah bah écoute, au moment où tu commences à regarder, tu t'aperçois que mais le gobelin il est déjà passé par là en fait. On n'a pas besoin de retourner dans le. Ah, en fait, il est proche. Donc tu vois qu'en fait t'as pas besoin de retourner à l'endroit où il est rentré, tu vois déjà des traces. Bah par contre, tu regardes au prochain embranchement où il va, quoi. Mais tu penses ne pas avoir besoin d'aller vers la bouche d'aération où est passé le gobelin, en fait. D'accord. Sauf si tu veux y passer absolument. Bah je demande aux autres, hein, s'ils veulent y passer. Ah non, tu fais confiance. Enfin, moi, en tout cas, je te fais confiance. Pas mieux, hein. C'est notre pisteur en chef. Ouais. T'as l'air de bien te débrouiller en tant que pisteur dans les. Ouais, mais vous savez, moi, les responsabilités, hein. Alors, ce que tu repères surtout, c'est que ton gobelin, il a l'air de s'être blessé, en fait. Hein. Ah. Tu vois qu'il y a des petites traces de sang verdâtre, en fait. Et en plus, ça a l'air d'accrocher légèrement la lumière, en fait. Donc. Ouais. D'accord. Et, petite question, c'est. On a une quelconque connaissance du. Est-ce qu'on sait si c'est. Il y a des légendes ou je sais pas quoi qui nous. Faut pas toucher une créature comme ça ou, tu vois, est-ce que c'est un peu souillé comme dans les 5R où on n'a pas cette notion-là Les gobelins sont pas classés dans les créatures à proprement chaotiques. Et des peaux vertes, c'est un autre type de menace. Bon, maintenant, c'est pas très ragoûtant de toucher un orc ou un troll, et en plus, il paraît qu'ils ont toujours des tas de maladies. Je veux dire, c'est pas un péché, quoi. C'est pas quelque chose qui peut nous bloquer. C'est pas un tabou, quoi. C'est pas un truc chaotique, les gobelins, en soi. Des peaux vertes. A priori, ils sont pas affiliés au chaos. Maintenant, c'est un gobelin à trois pattes. Hein. Ouais. Ouais. C'est forcément chaotique, un gobelin à trois pattes. Non, ça a pu être muté par de la malpierre. La quoi ? Ouais.
Ouais, donc là c'est chaotique, hein. Un petit peu. Ouais, mais tant un peu... qu'il en a pas sur lui, il en aurait encore sur lui de la malpierre, ça serait. Non mais. Tu connais l'adage qui dit que le chaos du chaos c'est du chaos, hein, donc. Ouais. Bon bah dans tous les cas, je suis la piste avec les petites traces de sang qui luisent sur le sol. Non, ouais, bah. Du coup, vous refaites demi-tour, et puis vous commencez à remonter la piste du gobelin. Donc t'arrives au niveau de la bouche d'égout où vous êtes arrivé, et tu commences à rechercher un peu les traces. Un petit test d'intel, s'il te plaît. Intel ? Ouais, intel. Intel ou pistage, comme tu veux. Bah, je vais rater, hein, forcément. À partir de là... En fait, bon... Tu penses trouver sa trace, mais ça vous prend un temps fou, en fait. Hein. Je peux cependant dépenser peut-être un point de fortune, ça serait le dernier. Alors, honnêtement, t'en as pas besoin. Hein. En fait, ça vous fait juste perdre du temps. Hein. Tu t'aperçois juste que... tu repars à l'endroit où il est passé, mais tu as du mal à retrouver véritablement son chemin parce qu'il y a des... Il y a des... Tu vois une espèce de coin un peu dangereux, quoi. C'est... t'as une plateforme qui passe sur le canal, en fait. Et, elle s'est effondrée, en fait. Et, donc, tu as du mal à voir s'il est passé à un endroit ou à un autre. T'es obligé de regarder. Étant donné que t'es en plus le nez au-dessus du sol pour regarder un petit peu ce qui se passe, ça te prend un temps fou. Casse pas la gueule, mais enfin bon, t'as parfois serré les fesses, quoi. Bon, les autres commencent à trouver le temps long, parce que clairement, en train d'essayer de renifler une piste au niveau du sol. Est-ce que la plateforme a l'air de s'être effondrée récemment ou pas? Non, elle est en mauvais état, quoi. Alors donc, tu t'arrives finalement à trouver le chemin et surtout à trouver un passage pour passer cette œuvre-là. C'est surtout ça qui vous a emmerdé. Donc a priori, le gobelin en plus a eu la bonne idée en fait de s'accrocher sur le côté de la planche en fait, enfin sur le côté de la plateforme, qui a fait que t'as mis un moment à retrouver sa trace en fait. D'accord. Bah, je continue. Hein. Donc ça a l'air d'être un petit malin en plus. Donc, gobelin et malin, je suis pas sûr que ça aille ensemble. Mais bon. Donc, vous remontez le long d'un tunnel. Clairement, c'est vous êtes toujours dans une voie principale en fait. Mmh. Vous tombez sur divers petits chemins. Bon. Tu mets un temps fou à retrouver à chaque fois la trace, mais a priori, il a l'air de rester sur la voie principale. Ouais. Et vous arrivez ensuite sur une nouvelle intersection, qui a l'air d'être une croisée hantée de deux voies principales, en fait. Est-ce que tu nous fais la réflexion, c'est qu'il est peut-être malin, le gobelin ? Ah bah, je l'ai dit, au pisteur. Non, je parlais, oui, mais je peux demander au pisteur. Pas à toi. D'accord, non mais j'ai vu que c'était à moi que ça serait la réflexion que l'information. Bah, je pense que j'aurais probablement râlé un petit peu ou trouvé ça surprenant, mais à moi-même, à haute voix, que à vous, quoi, mais... Donc, tu recherches un petit peu le chemin, t'arrives à voir que effectivement, il te semble que tu suis le bon chemin. Et tant, tu t'aperçois que tant que t'as de la lumière, en fait, la lumière des torches t'aide à chercher cette espèce de reflet un peu verdâtre que tu aperçois de temps en temps. Donc c'est surtout à ça que tu cherches, quoi. Et comme je présume que tu prends pas de risque, en fait, hein, t'avances prudemment. Oui, bien sûr. Voilà. C'est ce qui vous prend le plus de temps, en fait. Donc il avance minutieusement. Arrivé à un moment, tu vois que sur votre gauche, vous avez une espèce de petit passage. Alors donc là, vous êtes sur une voie beaucoup plus secondaire. Donc c'est un tunnel qui fait 1m50. Et là, il est circulaire. Il n'y a pas de... Comment dire ?
Y a plus de voie sur le côté, en fait. Donc vous allez commencer à patauger dans la flotte, en fait. Ah, merde. Et tu t'aperçois que, bah, a priori, le gobelin est passé par là. Parce que, juste au niveau de la flotte, tu vois une trace où tu penses avec sa main, il a dû s'appuyer à cet endroit-là, en fait. D'accord. Ouais, je rentre, donc, pas de soucis. Le truc est circulaire, il fait 1m50 de haut, hein. Ça veut dire que vous allez avancer au moins accroupi et les pieds dans l'eau croupissante. Hein. Ouais. Bon bah, ça se mérite des pièces d'or. Ouais. Ouais. Quand faut y aller. Vous décidez d'emprunter le passage ? Bah oui. Donc, vous êtes à moitié penché dans ce truc-là. Et, faites un petit descend. Alors, attends, on va demander ça à qui ? Tiens, Kranich ! Quoi ? Wedge, tu peux me lancer un descend, s'il te plaît ? Parce que on t'entend pas beaucoup en ce moment. Alors... Oh, je suis toujours là, hein, regarde. Descend tout de suite. Hein. Alors, ok. Oh bon, Dormtal, donc t'es devant, c'est bien ça? Oui. Qui est suivant? C'est moi, logiquement. D'accord. Qui est? C'est moi, je porte la torche. Je ferme pas la marche, hein, c'est mort. Non, bah tu es juste derrière le mage, et puis moi je fermerai la marche. D'accord. Alors, Obi, s'il te plaît, tu me fais un test de perception. Ah. Vous avez eu... Attends. Pourquoi je regarde? Ah, 93, c'est intéressant comme j'ai pas fait le même avant. Ah si. Ouais. Alors là, pour le coup, je peux dépenser un point de fortune. Ah bah, si tu veux. Je pense que ça mérite peut-être plus de chance. D'au moins pas le rater d'autant en fait. Peut-être faire pire, hein, mais allons, ça va. Oui, c'est pas pire, ça va. En effet. C'était ton dernier point de fortune, je crois. Hein. Oui, tout à fait. Ok. Bah écoute, gros bien te prenne, parce que tu t'aperçois que au dernier moment, mais c'est quoi ce reflet là? T'as juste le temps de baisser la tête et tu t'aperçois que t'as failli te payer un tuyau de décharge en fait. Donc, il était remarquablement bien camouflé par la merde ambiante. Tu penses que tu te serais à moitié défoncé la tête dessus si le reflet de la torche de Naïm n'avait pas attiré ton attention. Tu vois. C'était un peu le nez au sol et. D'accord. Et, attention. Tes grands sens d'elfe ne viennent de te sauver. Ah, ta bonne sortie, pas grand-chose. Pas trop. Alors donc, tu penses que tu vas signaler le fameux tuyau. Ouais, j'ai dit tuyau, attention. Donc finalement, vous allez réussir à passer le truc sans trop de difficultés. Pas rencontrer un deuxième passage. Merci du pour même le tuyau, Dormtal. Ben. Vous allez retrouver donc un deuxième passage latéral. Tu recherches ta cible et tu le retrouves. Ça commence à tourner un peu dans tous les sens, et finalement vous atterrissez sur un collecteur principal. Donc vous allez devoir pouvoir de nouveau marcher hauteur d'homme. Faut juste que tu me dises si tu veux partir à gauche ou à droite, ça, ou bien tu me fais un test de pistage, ou bien tu décides aléatoirement. Quelle direction? C'est le nord. écoute, tu as de quoi te repérer. Hein? Est-ce que tu as de quoi Je sais pas. Tu peux regarder les étoiles si tu veux. Ouais, je peux demander aux autres. Est-ce que vous savez où est le nord? Tu as fait ton test. À l'opposé du sud, j'ai envie de te répondre, sinon c'est pas mieux. Bah, je vais faire un jet de pistage et puis on va voir, tu vois. Bon, 62. Mais du coup, c'est raté. Donc, Ok, écoute. À droite, T'as pas idée de l'endroit où tu dois aller, donc tu peux décider, tu es à gauche ou à droite. À droite, ok. Bah écoute, vous commencez à vous en aller vers la droite, ça. Prendre le droit. Et tu t'avances et tu t'aperçois au bout d'un moment que vous êtes arrivé au niveau de la muraille de la
Et donc les égouts s'arrêtent. Bah, ça a l'air de continuer, mais tu vois la muraille par contre. Enfin, tu reconnais la maçonnerie des murailles. Quoi. Et on sort de la ville. Et donc vous arrivez en fait sur une espèce de gros collecteur qui. Enfin, une espèce de bassin. Là, il y a plus de traces du gobelin. Comment ? Là, il y a plus de traces du gobelin. Non, là, t'en trouves pas, non. Bah, a priori. Bon. Mi-tour ? Donc, bah, je regarde vite fait dans le bassin de rétention, tu vois, s'il flotte pas, mais bon. Ok, eh ben écoute. Aux autres de regarder aussi, hein, mais. C'est pas compliqué, vous faites tous un test d'agilité. D'agilité. Ouais, ouais, ouais. Je sens mal là le test. Oh, sachant que moi je suis à moins de. Moins 10. Ah oui, oui. Oui, pardon, Tlon, t'as moins 10 avec ton armure. Non, mais ah merde, 98. Hein. même sans mon armure. Hein. Pareil, raté. J'ai réussi. Oh bah, raté. On tombe à l'eau. Non, j'ai réussi. Non, pas Onheim. Alors, est-ce qu'il y a-t-il des gens qui veulent relancer leur jet ou pas ? Point de fortune, pas point de fortune ? Moi j'en ai, mais je trouve plus rigolo de pas le relancer. Donc, ok. Alors donc, ce qui vient de se passer, c'est en fait tu es approché de la zone bassin de rétention. Bassin de rétention en fait. A priori, t'as dérangé ce qui semblerait être une colonie chauve-souris. Donc les petites bestioles commencent à tourner dans tous les sens. Clairement, vous commencez à agiter les bras dans tous les sens alors que les chauves-souris sont en train de virevolter autour de vous. Et je vous laisse deviner ce qui arrive. On se casse la gueule dans le bassin. Dormtal se casse la gueule. Non ? Alors ? Ah non. J'ai 28. Enfin, pardon, j'ai rien dit. T'as 28, non, c'est bon. Béatrix, toi par contre. Carrément. Onheim, toi tu restes. À peu près debout, machin, Kranich, Splouch, Sepp, tu fais Splouch aussi, c'est bien ça, hein. Ouais. Oui. Ok. J'ai vu que Sepp allait se casser la gueule dans l'eau, donc je l'ai suivi parce que j'ai dit. C'est ça, mon cul, ouais. Cette excuse est la plus pourrie que j'ai jamais entendue. Alors. Par contre, je suppose que nos deux torches s'éteignent, forcément. Bon, a priori, c'était bien à gauche, hein. Merci. Non, les chauves-souris se seraient déjà réveillées. Alors, donc les mecs qui ne sont pas tombés à la flotte, vous subissez une attaque. Tu vois, je t'ai précipité dans l'eau pour éviter que tu aies une attaque. Ah oui, donc c'est ta faute. Voilà. Vous prenez 3 points de blessure chacun. Sérieux ? Ça, les mecs qui sont pas tombés, hein. Les mecs qui sont tombés. Bah, mais c'est pas réduit par notre résistance naturelle là, comment ça s'appelle déjà ? Alors, pour cela, si, il en du passe, mais tu prends quand même un point minimum. Hein. D'accord, donc je passe. Quoi qu'il arrive, même si votre armure et votre rendu arrêtent le truc, vous prenez un point. Passe pas ton armure, tu prends pas les dégâts, mais si ça atteint ton endurance. Tire pas le bouchon au fond du collecteur, on sait jamais. quant aux autres, vous me faites un petit test d'endurance, s'il vous plaît. Alors. Ça va. Il y a un Sepp qui a réussi. Il manque une Béatrix, je crois. La Béatrix, elle a raté. Eh ben voilà. Sepp, c'est cool, t'as réussi à éviter. De boire la tasse. Par contre, les autres, vous y avez goûté. Hein. Bah, en fait, le truc, c'est que je me suis surtout appuyé sur Béatrix qui m'a fait tomber. Hein. Béatrix, tu as dit que tu me sauverais. Alors, Béatrix Sanic, vous prenez 2 points de dégâts. Et les douleurs que vous provoquent vos horribles vomissements. Alors, dans tous les cas. Ça fait un petit moment que vous êtes tous dans les égouts, donc déjà votre sociabilité est réduite de moitié. Et pour tous ceux qui sont tombés dans la flotte, c'est pas compliqué, vous avez 5 en sociabilité. Tant qu'on s'est pas lavé. C'est ça. Génial. Alors, actuel, vous êtes les horribles créatures des marais. C'est moi le social du groupe. On va tous mourir.
Donc voilà. Bon, mais finalement, vous arrivez à vous en sortir. Enfin, plus de peur que de mal pour ça. Je suis humilié. Moi, je suis humilié et j'ai bu la tasse. Donc, c'est humilié, donc vous décidez. Vous décidez de faire demi-tour. Et à ce moment-là, à l'endroit où tu as récupéré le passage, tu dis hey, regardez, j'ai retrouvé. Ouais. Ouais, t'essayes pas de nous la faire à l'envers, Dormtal, parce qu'on a pris à droite, on a été au bout, c'était pas ça, on revient, et là tu nous dis on va reprendre à droite. Ça va pas, hein. Non, on va tout droit. Ouais, parce qu'on a déjà été à droite. Voilà, exactement. On va prendre à gauche. Non, on va tout droit, en fait. Mais, Non, mais je sens le vilain coup du MJ qui aurait mis le lac et les chauves-souris quand même à droite si on l'avait pris au premier coup. Bah, tu veux dire que c'est un plan quantique ? Je pense. Dans tous les cas, on est là. Hein, on va avancer prudemment, genre tout ça. Épée à la main, quand même, hein. De quoi ? Épée à la main, hein. Enfin, prudemment, mais épée à la main, quoi. Mm-hmm. Ouais, et pas trop de bruit pour éviter de réveiller des chauves-souris. Et faut... Ouais. Alors... Seb, je pense que t'as encore un bout d'étron quelque part dans les cheveux. C'est un plan de merde. Je réfléchis à une vengeance sur Béatrix, qui implique sa déesse. Donc, vous suivez la piste du gobelin pour vous apercevoir que finalement il a rebroussé chemin en utilisant le passage de l'autre côté, quoi, en fait. Petit salopard. Donc, vous repartez quasiment en sens inverse. Ouais, je te dis que Dental essaye de vous balader, mais il sait pas du tout où est le gobelin. Ça vous prend déjà un petit moment. Et vous apercevez quand même que, à l'état de vos torches, en fait, vous apercevez que ça fait déjà un petit moment que vous êtes dans les égouts. Vous avez perdu un peu la notion du temps. Quand on aime. Et, ce qu'on ferait pas pour 50 pièces d'or. 100. Ouais, mais justement. 100 divisé par 5. C'est pas mal, ça fait 20 chacun, c'est bien. Donc, finissez par arriver, en fait, à un endroit où, vous voyez, il y a une espèce de renfoncement en fait qui a l'air couvert de vase et vous tombez sur une porte qui a l'air un peu branlante, hein, construit un peu en dépit du bon sens. Ses côtés sont surlignés par un ray de lumière qui provient de l'autre côté. J'écoute en fait proche de la porte, le manque de choses. Pardon ? J'essaie d'écouter. Alors, tu essaies d'écouter, tu me fais un test s'il te plaît. Oh. C'est chiant, faut toujours se lever dans ce jeu. Je commande à distance, t'es pas content. Hein. Des commandes vocales. C'est pas faux. Ouais, vas-y. Écoutez. Ordinateur, lance-moi les dés. Siri, comment faire un test d'écoute à Warhammer ? Ordinateur, simulation, lancer de dés. Ah oui, je vois, c'est un vieux modèle. 25, ce qui est plutôt pas mal. Après, Alors, t'entends en fait, t'entends rien en fait. Donc, c'est une porte. C'est une porte qui a l'air. C'est une taille de bullshit. C'est-à-dire que. Clairement. On voit de la lumière, mais on n'entend pas de son. C'est ça, clairement. Tu vois de la lumière qui filtre un petit. Enfin, la porte a l'air de faite de briques et de broc. Et en fait, tu t'aperçois qu'elle a pas de. Enfin, y a rien pour l'ouvrir de votre côté, quoi. J'ai une hache. Non, mais déjà, pousse. Non. À mon avis, ça va s'écrouler. Oh, vous êtes gentil. Ah, moi, j'ai fouillé. Hein. Si vous voulez ouvrir la porte, ouvrez-la vous-même. Hein. Oh. Hein ? Ça va. Par contre, ce dont tu t'aperçois, c'est que tu vois que le gobelin en fait est passé devant, mais c'est il est pas rentré dedans en fait. Oui, parce que les 50 pièces d'or, elles sont pas rentrées dedans. Hein. Ah bon, on s'en fout alors. Ouais, c'est pas loin d'être ça. Mais ça peut être un repli rapide si jamais. Je sais pas si on rencontrait des requins dans les égouts, par exemple. Hein, alors, on est toujours pas dans Cops. Alors. Et sortir les traumatismes, c'est moche. Tu lances 2d6 pour tester, pour voir si c'est un requin
ou si c'est un flocon d'avoine en forme d'élan de requin. Oh putain. Le flocon d'avoine dans un bol de... Bah, du coup, on continue. C'est des gens qui ont saisi la référence et pas d'autres. Moi, j'en vois pas. C'est dans les contrées du rêve, dans les bouquins La quête du Graal. Voilà, donc, les livres d'Antonio Héron. Donc, okay. Vous progressez et vous arrivez à une espèce de. Enfin, il y a l'air d'y avoir une retenue. Bloque le petit canal en fait. Hors du gobelin. Donc il y a l'air d'y avoir plusieurs obstacles, enfin des objets qui sont amoncelés là. Et au moment où tu arrives, tu vois des petits yeux jaunes qui brillent sur ce petit tas en fait. Il y en a deux. Deux petits, des yeux. Voilà. Et là. Radish, va chercher. Alors, au moment où tu vous rapprochez, vous voyez que c'est un énorme rat qui est sur un tas d'immondices et commence à montrer les dents, puis voyant que vous êtes plus nombreux et plus gros que lui, décide courageusement de prendre son courage à deux mains et de partir. Ah bah non, c'était pas lui. J'ai l'impression qu'on nous balade dans cette histoire. Donc, c'est la visite souterraine en fait. Présume que vous regardez quand même le tas d'immondices. Oui. De toute façon, vu l'état où on est, hein, pour certains. Oui. Alors, il y a de la vase, il y a des machins, il y a. Des trucs. Ouais. Et a priori, ce qui semblerait être un corps. Ah. Un corps de quoi ? Ben. Un corps de chasse ? Vous essayez de le choper ? Ouais. Bah, ouais. En prenant des précautions, parce que la dernière fois que j'étais dans des égouts avec des corps chelous, moi je touche pas. Hein. Je peux le dégager avec mon bâton sans le toucher. Ah oui, tu peux. Y a pas de cours. Tu t'aperçois qu'en fait, c'est un cadavre de petite taille. Il doit mesurer, je sais pas moi, à 1m30, 1m40, à tout casser. Et vous avez la surprise de reconnaître un nain que vous connaissez. Le nain du pilori ? Ouais. Et d'accord. Et il est quoi ? Il est inanimé ou il est mort de chez mort ? Bah, étant donné qu'il flottait avec la tête dans l'eau, a priori, voilà quoi. Je vais pas lui faire bouche à bouche. Ça a une bonne constitution, ça sait retenir sa respiration longtemps, ces bêtes-là. Ouais. Bah, on essaye de ramener son corps au sec, mais bon, s'il est mort, il est mort, quoi. Mais... Ouais, vous essayez de ramener son corps ? Ouais. Ok, donc tous ceux qui aident à la manœuvre me font un test d'agilité. Sachant que je considère que, sachant que vous 4 personnes peuvent agir et que chaque personne qui agit rajoute donne plus 10 aux autres. Bah moi j'agis et j'ai fait 11. Joli. 4. Joli. Oh, on va le torcher. Non mais c'est bon, c'est bon. Donc, vous sortez le cadavre du nain. Alors il a l'air pas à voir, hein. Il a été sérieusement mutilé. Il porte des nombreuses traces de coups de couteau, a priori. Il lui manque un bras. Alors vous savez pas bien, enfin si vous voulez regarder un petit peu ce qui lui est arrivé, c'est une perception pour ceux qui regardent quoi. Allez. Raté. Ah. Alors, a priori, je pense que c'est réussi. Faut juste que je. Oh, donc encore il a réussi un jet de perception. Ah, c'est moi, ça marche pas le test de perception. Ah putain, raté de 1. Mais oui, faut le faire à la main pour tout le monde. Alors. Ça marche pour personne en fait, je crois. Okay. Si tu l'as. Donc toi, tu l'as loupé de 1, tu m'as dit, Béatrix ? Ouais. Ouais, j'ai changé la forme. Donc, d'après ce que j'ai cru comprendre, vous regardez tous ce qui. Il est arrivé quand même. Hein. Bah oui. Ok. Ah bah écoutez, tous ceux qui ont regardé, vous me faites un test de sang-froid, s'il vous plaît. Et hop, ça c'est gratuit. Non, c'est force mentale. Force mentale, ouais. Oui. Oh, je me suis gavé. Oh 48 sur 35. Ouais, 66 sur maths, c'est pas génial. Ah c'est bon, c'est gagné. Ah bah voilà. Ouais, alors, mais c'est normal, dommage, t'as déjà raté, fait la dissection. Je vous annonce que vous venez de gagner votre premier point de folie. Voilà, ça c'est gratos. Pas le deuxième pour ça. Si, il y en a un qui est
Francky, c'est le deuxième, je crois. C'est alors, oui. C'est PF, c'est ça? Oui, PF. Vous le mettez PF. En bas, hein, pas en haut. Hein. Ok. Bah... Oh, bah moi, j'ai... Donc, c'est... Qui c'est qui a réussi? Moi, j'ai... Name et Dental. Okay. Ouais. Name et Dental. Alors, je vous décris un petit peu le petit bonhomme. Alors, donc il lui manque effectivement un bras, et alors, ou bien il a été arraché, ou bien on lui a enlevé d'un coup de dent. Voilà, c'est à peu près ce que vous arrivez à avoir. Sa poitrine est ouverte en deux. Alors, vous savez pas trop si elle a été déchirée ou profondément taillée, mais en tout cas, il semblerait que le cœur est... Oh là. D'accord. Ouais. A priori, c'est une affaire personnelle, hein. J'appelle Bennett de la crime et... non, ça marche pas. Voilà, voilà. Ouais, d'accord. Ok. Ouh. Sympa. Donc, Je mets mes lunettes et je dis, il a été tué. Tam. Horatio Sepp. Dantel, avec ton jet, tu aperçois quand même que savoir des traces qui peuvent remonter l'endroit d'où vient le cadavre, en fait. Ouais. Et tu arrives en fait au pied d'une scalaire, enfin de scalaire être une bouche d'égout, en fait. Bon, là, moi j'en ai ras le cul, hein, donc vous faites comme vous voulez, mais. Personnellement, je serais pour retrouver déjà le gobelin et après s'occuper de ça. Hein. Oui, clairement, mais... Parce que plus on laisse le gobelin, plus il va se casser. Il faut quand même regarder où est située cette bouche d'égout pour récupérer le cadavre. C'est-à-dire ouvrir et jeter un œil à... Alors, la bouche d'égout est à 2,75 m. Non, mais il parle monter. De ce qu'il y a au-dessus et où c'est. Oui, voilà. Pour repérer, pour revenir chercher... Oui, mais il n'y a pas d'échelle pour monter. Tout expliquer à FMJ, c'est pas possible. Écoutez bien ce qu'il dit. Il n'y a pas d'échelle pour monter. Ouais, mais si t'avais eu ton hallebarde, t'aurais pu pousser le truc pour voir un peu, tu vois. Avec les étoiles, j'aurais pu voir où on était, tu vois. Mais là... Ça va être quand même tendu. Est-ce qu'on transporte le cadavre? Je sais pas. Bah moi, je suis assez pour. Hein. Allez, je préviens, hein. On tombe sur le gobelin, je laisse tomber le cadavre. Hein. Ah bah oui, de toute façon normal. C'est un cadavre. Mais bon, ouais. J'ai envie de dire, de toute façon je vais demander à quelqu'un qui s'y connaît bien en justice, etc. Est-ce qu'on devrait laisser le cadavre ici? Normalement on devrait tout de suite retourner voir le juge. Non mais je demande justement à la personne qui a des connaissances en justice ici. Ah bah Juge Richter. Je sais pas trop comment réagir par rapport à ça, parce que d'un côté il faut qu'on préserve l'histoire de scène de crime. Ouais, l'histoire de scène de crime. Non mais les histoires de scène de crime tu peux oublier. Hein. Oui, c'est pas tant la scène. L'essentiel de la justice. Juste le cadavre, moi. L'essentiel de la justice c'est de l'oral un petit peu décrit et pour les méthodes policières ça repassera. Hein. Est-ce que les blessures qu'il a reçues peuvent être... Est-ce que par exemple le bras découpé, ça peut être Laura qui aurait bouffé le bras post-mortem en fait? Alors clairement, c'est pas le petit rat qui a bouffé le nain. Hein. Que ça soit par exemple son bras, je sais pas trop s'il a été niaqué ou découpé. C'est peut-être un RTI. De toute façon, moi je dis qu'il faut ramener ça au juge. Hein. Peut-être pas tout de suite, mais qu'on continue à trouver le gobelin, parce que c'est quand même ce qu'il a demandé, mais le ramener quand même le corps. Je suis tout à fait entièrement d'accord avec ça. Très bien, on est à deux à le porter. Voilà. Voilà, c'est bon. Mais Béatrix, okay. Elle peut le porter toute seule. Hein. Ouais, t'as raison. Béatrix, tu peux le porter tout seul. Merci pour ton aide, Seth. J'ai envie de te dire, c'est un peu aussi la personne que... T'es un peu responsable de lui, t'as payé sa caution, t'as vu comment il a fini? C'est un peu ta faute. J'ai un grand sourire quand je te dis ça. Tu l'avais accompagné, il serait pas retombé dans l'alcool, hein. Oh putain. Et bah que ça vous serve de leçon, l'alcool tue les gens, voilà, hein, voilà. C'est qui a été bourré. T'aurais fait ton boulot de novice de Verena jusqu'au bout, tu l'aurais sauvé.
Non, y a mais combien je suis pas de Sigmar, hein, je suis de Verena. Il y a combien de distance entre la porte avec la lumière chelou et le tas de cadavres et le, enfin, le cadavre de du... Alors, y a, à la distance, tu sais pas bien, mais il y a au moins 10 bonnes minutes de marche. Hein. Est-ce que d'accord. Tu autorises un FK de 30 secondes, une minute? Oui, oui, tu peux. Merci. Mais par sachant contre, que il est déjà minuit 44. Oui, donc il faudrait... Voilà. Oui. Bah, la question, voilà, comme c'est, ça, on pourra, c'est, on pourra c'est, démarrer que, sur un cliffhanger sur... voilà, vous êtes dans les égouts, qui porte le cadavre? Bah, j'aurais été pas contre de pousser pour essayer de finir si on en a pour pas longtemps, mais c'est après... Il y en a pour pas longtemps. Hein. Je pense que c'est pas une bonne idée de pousser ce truc, parce que s'ils voient la vision que j'ai avec mes 5 en sociabilité, avec un cadavre de nain à moitié bouffé, voilà quoi. Non mais je veux dire, à la partie suivante tu l'auras aussi, donc moi je dis autant finir et puis on finit, et puis voilà quoi. Ah, bon, de toute façon, l'idéal c'est de retrouver ce gobelin et liquider ça avant d'aller s'occuper du nain quoi. Ah oui, puis là, pour liquider, vous liquidez, quoi, dans les égouts. Ah oui, oui, de ce côté-là, oui, on solde... Alors, tout... moi, je proposerais de cramer la ville, en fait, tout simplement. Oui, mais toi, tout ce qui est pas forêt, t'as envie de cramer. Après, Verena reconnaîtra les siens, hein, je vais dire, à un moment... Hein, ouais, c'est un peu... Comment dirais-je définitif et surtout extrémiste. C'est un peu beaucoup de boulot à lui filer à Verena aussi. Ouais, aussi. Je voyais pas les elfes tout bien blonds mort. En train de défiler en chemise brune, moi, hein, mais bon, c'est... Parce que tu connais pas beaucoup ouais, d'elfes noirs, hein, c'est tout. Hein. Sincèrement, je trouve que c'est délégué à un dieu notre travail, quoi. La question, c'est, est-ce qu'un elfe peut avoir une moustache? Ah, je sais pas si quelqu'un a déjà écrit un traité de la moustache chez les elfes. Là, je... Je sais pas, mais je sens le point Godwin qui s'approche à grands pas. Cuir moustache. Parce que le cuir à la limite, cuir, ça oui, moustache. Ça je le vois bien. Cuir, tu vois, l'elfe en cuir, ouais, y a pas de problème. Et la moustache et l'elfe, si tu veux. Ah, le Legolas, il fait une sale gueule. Hein. Oh. Bon, déjà, on va choper ce gobelin. Alors, parce que j'ai pas envie de me tarter un nain tout le temps, quoi. Tu suis la piste du gobelin. On va faire son cep pour l'instant. Tu suis la piste du gobelin. Et effectivement, tu vois que les petites traces de sang mènent vers ce qui semblerait être une solide porte en bois, qui est encastrée dans le mur des égouts. Et il y a une petite ouverture munie de barreaux à la hauteur des yeux. Et bah, quand tu regardes, tu vois vaguement une espèce de vaste... à l'intérieur de cette cave, il y a des torches qui dégagent beaucoup de fumée. Et elles projettent des ombres un peu tremblotantes sur les murs de la pièce, en fait. Mais, ouais. Du coup, ça, on le voit à travers la porte, c'est ça? Ouais, tu le vois quand t'arrives sur la porte. Alors, donc, tu remarques que tu as des traces de sang de gobelins, en fait. Ils sont... C'est assez grand pour qu'il ait pu passer par là. Fais-moi un test de perception. Ça sent le foirage. Probable. J'en ai pas raté beaucoup depuis le début de la séance, donc il faut bien que j'en rate un peu de temps en temps. Quoi. Moi j'ai tout raté alors. Hein. Ok. T'as raté, mais c'est pas. C'est pas quoi. Bon, bah tu vois, a priori il a réussi à l'atteindre. Ah mais en gros ça veut dire qu'il a pu monter jusqu'à l'ouverture, mais il a pu regarder au travers, mais la question c'est, je sais pas s'il a pu passer au travers. Bah d'après ce que tu as vu là, oui, si, il serait passé, donc il faudrait ouvrir cette foutue porte pour essayer de le suivre. De toute façon, on est les invités de la ville, on a droit. Donc, on n'en est pas exactement les invités de la ville. Hein, Ah si. Non, c'est sous condition que on... Oui, alors, Onaim. Tu commences à pressentir quelque chose. Il y a quelque chose en toi qui te dit que cette porte te met profondément mal à l'aise. Enfin, quand je te dis cette porte, c'est pas la porte, c'est au-delà de la porte. Il y a clairement quelque chose qui trouble tes sens. Et tu commences à prendre conscience qu'en fait, tu sens des vents électriques qui. Derrière cette porte, en fait.
Ce qui trouble tes sens, à mon avis, c'est peut-être qu'on patauge depuis quasiment plusieurs heures dans une fosse septique géante, hein, mais bon, je dis ça, j'ai rien. En même temps, il nous a rien dit. Je sens une onde néfaste par-delà cette porte. Eh ben, écoute, vas-y. Les vents de l'éther sont perturbés. On te regarde. Les à quoi l'éther? La magie. Que l'éther, c'est un truc pour dormir, c'est ça? Non, les vents magiques. C'est un peu comme les sables qu'on mélange, que ça fait différentes. Ah, tu veux que je t'explique? Non, 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 pitié, non. Ben, il faudrait ouvrir la porte, en fait, là. Ok. Soyez sur vos gardes. Et toi aussi, parce que si tu balances une boule de feu alors qu'on est dans un truc qui dégage du méthane à donf, ça c'est pas cool. Hein. J'ai pas le sort de boule de feu. Pas ça me rassure. Du moins. Pas encore. Ça me rassure pas. Bon, sinon, je défonce la porte. Hein. Ouais. Alors, y'a pas moyen de faire ça plus. J'ai une hache pour crocheter la serrure. Vas-y, Chronique, défonce la porte. Cette insertion me semble assez. Moi, je me mets sur le côté, tu vois, histoire de. Voilà. Histoire que si ça répond avec une boule de feu, je suis pas dans l'axe, quoi. Bon, juste tu défonces la porte, je te fais un jet de quoi? Moi, je suis derrière Béatrix. Ah, certains qui s'ouvrent. J'entends pas l'écureuil. Qu'est-ce que t'as dit? J'ai pas compris ce que t'as dit, suis-moi. Je défonce la porte. Et donc, tu demandais sur quel jet il faisait. Bah, ça dépend comment tu le fais. Tu la défonces avec un outil, pas d'outil. Avec force, bon. C'est mon épaule. À main nue, oui, comme Kranich sait bien le faire. Bah, écoute, vas-y, hein, fais-moi voir ton test de force. Hein. Réussi. C'est le seul truc que j'ai réussi de la soirée. En même temps, non, tu nous as fait rire aussi. Ah, donc, partant du principe que. Quand deux êtres comme ça se rencontrent, c'est toujours le plus intelligent des deux qui cède le premier. La porte décide de céder. donc, la porte a cédé. Tu t'aperçois en fait que bah dans un éclat de en fait, la serrure lâche, t'as à moitié dégondé la porte, et pour rentrer dans une pièce, hein, tu rentres dans une pièce où il y a l'air d'avoir un truc dessiné au sol, ça ressemble vaguement à un. Il y a deux chandeliers en argent. De l'argent supplémentaire. Attends, moi j'avance pas là-dedans. Attends, t'as deux chandeliers en argent qui sont posés. L'un en face de l'autre, donc qui forme un diamètre, hein, qui passe qui ne sont pas au niveau des étoiles en fait, hein, de l'endroit où l'étoile les rejoint. Ces deux chandeliers sont surmontés d'une bougie noire chacun. Ça sent le rituel impie. Passe devant. Alors. Et je suis déjà devant. Non, pas toi. Alors, le pentacle est entouré d'une espèce de cerceau de cuivre et 7 cm de large, 4 cm de diamètre, enfin 4,5 cm de diamètre. Non, pardon, 4 mètres et demi de diamètre, excuse-moi. Bah, il change tout le temps. Toulou. il fait 4 mètres 50 de diamètre, bon, et il fait 7 cm de haut. Voilà. C'est une bonne pièce quand même. Alors ça, c'est juste le pentacle, hein. Au centre de celui-ci, il y a une espèce de tête de bête. Un mouton? Un agneau? T'en es bien? Alors, il y a une tête de bête, en tout cas, tu sais pas bien ce que c'est, mais elle a l'air couverte. Toi, Dormtal, tu t'aperçois que le sang est légèrement verdâtre, donc pense qu'il s'agit du sang de gobelin. Il y a une espèce de buffet de fer qui est contre le mur du. Et à peine, en fait, tu es rentré. Crani, parce que emporté par ton élan, tu es rentré. Tu aperçois qu'il y a une espèce de fumée épaisse et fétide qui commence à se dégager du centre du pentacle. Alors la fumée commence à vraiment devenir beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grosse en fait, et elle commence à se matérialiser sous la forme d'une créature. J'ai le droit de. Je vois ça. Ouais. J'ai le droit à une action
Alors attends, bah attends, je vais vous dire ça. Bon, je te dis juste que c'est une créature de avec une tête bestiale et difforme. T'as des ailes, des chauves-souris, des terribles gros et des griffes. Ouais, c'est quelque chose qui va vite crever parce que. Alors, déjà, pour commencer, vous me faites, s'il vous plaît, un test de force mentale. Ouais. Oh, mais tu sais que je vais le rater. Regarde. Tu sais que tu peux aussi le réussir des fois. Oula, je vais utiliser un point de... Réussi. Parce que je vais éviter le critique. Ouais, moi aussi. Mieux. J'ai un échec, mais c'est mieux. Pas terrible. Alors, bon, c'est pas aussi. Mieux, quoi. Bah, si, c'est mieux, mais c'est mieux. C'est pas réussi, mais c'est mieux. Je serais pas à me pisser dessus pendant. Attends. Moi je me bats pas, hein. Les seuls qui ont réussi, c'est ça fait moi. Zut, il a remarqué. Donc, clairement, Kranich. Oui. Tu commences à faire. Enfin, à reculer, précipitamment. D'accord, ouais, c'est une terreur, ok. Clairement. Ceux qui m'ont raté, vous me mettez tout de suite votre point de folie, hein. Alors, ouais, on est plus après, quoi. 3... Ah. Au bout de 30 blâmes, vous avez un point de folie. Au bout de 30 points de folie, vous avez une réduction de salaire. Voilà. Alors, eh ben écoutez, ceux qui ont réussi leur test de force mentale, qu'est-ce que vous faites? Je vais jouer d'abord l'elfe. On va taper, hein. Je suis. A priori, il faut aller taper, mais bon. Toi aussi, tu le sens pas? Complètement. C'est surtout que la créature est en train d'apparaître, mais il y a des gens qui l'ont fait apparaître, donc ils sont où ces gens-là? Parce que du coup on va s'approcher dans la pièce, elle est assez vide en fait. Il y a que le pentacle, les trois bougies à la con et puis c'est tout quoi. Et le buffet en fer a priori qui est au fond de la pièce. Voilà. Du coup, on va s'avancer quoi. Il avance la arme à la main. Ok. Ouais. La créature donc finit de se déplier comme ça et de se matérialiser. Qui ose troubler mon sommeil avec une voix toute caverneuse. Alors en fait, c'est pas nous, mais le gars s'est barré par là. Voilà. Ah, t'as un sort de sommeil, le mage là. Elle veut pioncer la créature, on l'a entendu. Ah. Et fuyez mon con. Je peux utiliser la magie? Là? Non, t'as la peur là. Et je demande aux autres. La seule chose que tu fais, c'est fuir, hein, c'est retraite. Ouais. Hein. On court. Attends, ils nous ont laissé? Ouais, on se barre. Bah, ils sont en train de reculer en tout cas. Au revoir. Alors, ceux qui veulent courir, ils me le disent. Eh, restez, bande de meuviettes, eh oh! Vous allez se battre? Avec le sol est glissant, je vais pas courir, mais je vais me presser quand même. Bon, non, ah bah, c'est quoi c'est ta bête? Bon, Kranich, qu'est-ce que tu... Je sais que ça glisse et compagnie, malgré la peur, je recule quand même. D'accord, oui, bon, t'essayes de faire une retraite prudente. C'est ça. Pareil pour Béatrix? Ah ouais, même chose, hein, forcément. D'accord, ok. Ça va, y'a pas de soucis. Bonne chance, Dantal. Oh, le groupe de bras cassés, quoi. Moi, sincèrement, le seul jet que j'ai réussi de la soirée, c'est défoncer une porte. Wouhou. Voilà. De toute façon, Dantal, c'est le champion de Boganafan, donc il va en faire qu'une bouchée. Oui, c'est sûr, c'est certain. C'est-à-dire que la bestiole, là, c'est pas un vieillard, voilà. Donc, c'est pas la même, quoi. Non, c'est juste une... C'est juste une chauve-souris géante, quoi. Oui, bah, je vais niquer Batman. Enragé, je suis sûr. Je vais niquer Batman, quoi. C'est super. Alors donc, tu vois qu'il essaye de déployer ses grandes ailes, et il commence à tendre ses griffes dans votre direction. Et oui. Avant que je me repèse votre cœur. Ok, faut le défoncer. Ouais, complètement.
La question c'est, est-ce qu'il est, il a l'air de pouvoir attaquer là déjà ou pas? Parce que moi si j'ai une opportunité d'attaquer avant qu'il m'attaque, je tape. Pareil, hein, Voilà, bah, je vais pas le laisser finir. Moi, je suis le de Dormtal. Hein. Voilà, je vais pas le laisser maintenant, finir. Maintenant, tu t'aperçois d'une chose, c'est qu'a priori, maintenant qu'il te pose la question, tu t'aperçois qu'il est pas sorti du cercle encore. Hein. Ouais, bon, on va taper. Non, on va pas rentrer dans le cercle. On va pas rentrer dans le cercle. Mais on va taper, sans rentrer dans le cercle. Oui, c'est sûr. Ok. Bah, alors donc, bah, je vous fais pas faire l'initiative. Vous allez l'avoir sur lui. Je présume que vous attaquez. Ouais. Ouais. Plus ou moins coordonné, quoi. D'accord. Vous vous coordonnez, y a pas de souci. Eh ben, attaque brutale, prudente, attaque rade, faites comme. Bah, si on a l'initiative sur lui, lui il fait quoi en fait? Alors, bah, a priori, pour l'instant, il a l'air de faire des simagrées. Bah, on va lui mettre une attaque brutale, je pense. Ouais, bah c'est ça, en fait. Hein. Et puis on verra après. Hein. Je veux dire, vas-y, il est pas content. Et faites-vous plaisir. Alors, il y a plus 30, moins 10, donc plus 20. Ouais, et bah écoute, point de fortune. Il y a personne qui a une attaque. Voilà, c'est bon, là. Voilà. Non, personne. Ah, si, peut-être, il y a peut-être. Crani, je crois qu'il a deux attaques, mais il n'y en a pas beaucoup, il n'était pas un combat. Ok. Donc, j'ai peur. Tu fais tes dégâts, Sep? Alors, les dégâts, que je me trompe pas. 1, 10 plus 3. 10? Pas mal. Oui, non, mais oui, mais plus 3, donc j'ai fait 7 plus 3. 7 plus 3, ah oui. Nul. Donc. Donc, tu as fait 10. Plop. Ok. T'as l'impression quand même qu'il l'a senti passer. Et alors, tu le vois qu'il commence à avoir les yeux rouges comme ça, il se prend, mais ça va pas, non? Et donc, il fait brûler ses. Enfin, tu vois que ses yeux commencent à s'illuminer de d'énormes flammes, en fait. C'est pour toi. Et il a l'air de vouloir te donner un grand coup en fait. Parce qu'il commence à faire. Et qu'il prépare une attaque, une parade. J'hésite à en passer directement en full def moi. bah en fait ouais, en gros le truc c'est que je vais passer. Si sur moi je vais mettre en full def et je de façon à laisser une opportunité à mon ami elfe pour tataner. D'accord. Et toi, Dental, qu'est-ce que tu fais? Ben, moi, je vais continuer l'attaque brutale, en fait, hein, parce que je pense qu'il est sur CEP. Je pense qu'il est sur CEP et que, du coup, comme moi, je l'ai pas touché. Par contre, ce qui est con, c'est que tu aurais peut-être dû, je pense, CEP, te mettre au moins en défense-attaque pour que en placer une, toi. Ouais, mais j'ai vraiment pas beaucoup, en fait, donc je préfère quand même... Ouais, mais du coup, si ça peut lui faire dépenser sa parade, en fait, je sais pas. Oui. Bon, de toute façon, je considère que vous le chopez en tenaille. Hein. Ouais, 27, pas, hein, je touche. Bon. Dormtal, tu fais ton attaque. C'est fait, il a fait 27. C'est fait, 27. Ah, pardon, excuse-moi. J'ai rien dit. Bah, vas-y, fais tes dégâts. Ça va. Mmh, on reste réguliers tous les deux. Il va commencer à s'en surpasser quand même. Oui, il l'a senti passer. Tu vois, ça saigne, donc a priori, ça peut crever. Hein. Et tu vois il fait mine de t'attaquer, mais Sep, mais en fait, ouais. T'as feinté quoi en fait, il te place pas d'attaque. Il peut pas t'attaquer Castor Liberung, c'est ça son point faible. Ouais, il m'a feinté, mais sauf que bon, bah vu que j'attaque pas, j'ai feinté sa feinte, on va dire quoi. Ouais, c'est exactement bah, ça. Oui, non, mais bah oui, clairement, mais voilà quoi. En fait, il peut rien faire, c'est une illusion qu'on frappe, un truc comme ça. Non, c'est juste que vous êtes barré et que nous, on va se farcir un monstre, et pas vous. Ouais. Clairement, à nous deux, on prend 50% de la récompense. Hein. Okay. Oh, tout de suite. Vous voyez qu'il a l'air de changer de posture et il commence à rugir, il se met en défense totale. Hein. Il commence à rugir et il dit « Votre dernière chance de partir avant que je vous ravage !» Brutal. Il a l'air en fait, hein, de générer des flammes tout autour de lui. Là. Ce tombeau sera votre tombeau. Brutal, pour le coup. Je veux tenir au moins un tour
D'accord, ok. Parce que j'ai compris, il a juste de la gueule. Alors, il vous annule votre bonus d'attaque brutale. Ouais. Et on a plus 10 pour recentrer des... Vous avez plus 10, moins 10. Voilà, donc c'est un jet normal. Hein, bah, pourquoi moins 10? Est-ce que je vous mets moins 10 depuis tout à l'heure? Ah d'accord. Pas raté. Raté. D'accord. Bah ça marche. En même temps, il faut bien. Hein, Commence à lancer, enfin à faire truc avec ses mains en faisant des sons gutturaux. Ouais. Moi je dis que de la en gueule. Laissez-le. Pareil. Hein. Alors attendez, ceux qui attends. Sont pas là, ceux qui sont pas là, ils se taisent. Alors de là, attends, ouais, l'autre il est en train de chanter, ouais ta gueule, hein, bam. Pareil, hein, brutal. Surtout s'il s'est arrêté de se mettre en défense, raison de plus. Hein. Ça se trouve. Il est toujours en défense totale, mais ouais, il est en train de faire des trucs dans tous les sens. Hein. Oui. Je peux poser ma question. Je veux juste poser la question que savoir que avec la peur, on peut absolument rien faire, c'est ça? Bah, tu peux essayer de te ressaisir maintenant si tu veux. Ça fait 3 rounds, puis t'allais. Alors, on va te faire ton jeu de force mentale. D'accord, tu sais que je vais le rater. Oui, mais t'as le droit de le faire. Oui, quand mais même. Essaye quand même. T'as le droit aussi de réussir tes jets de temps en temps. Hein. T'as combien en force mentale? T'as combien en force mentale, Kranich? Hein? 29? Bah, toi aussi, oui. Donc c'est raté pour toi et c'est raté pour moi. T'as tiens quand même, 29. Et lui, monter ta force mentale, Béatrix. Bah, j'ai fait 33. Et combien? J'ai 29. Monter ta force mentale, tu réussis, c'est ton jeu. Ah oui, je sais, mais j'ai pas augmenté ma force mentale. La force mentale, faut toujours l'augmenter. Donc voilà. Eoname, pareil, bon bah voilà. Ok, 75% de la récompense. Courage, fuyons. Ah, on y peut rien. Donc, si on est sous un sort de terreur. Sans sort. Qu'est-ce que tu fais? Bah pareil, brutal, hein, comme... D'accord, ok. Et pareil pour mental? Ça fait. Ok, vas-y. Si ça se trouve, il chantait pour faire un hommage à Johnny. Oh, on a fait raté pour moi, hein, mais je vais dépenser... Je suis à 29, moi, en CC. Hein. Ah. Donc, je dépense mon dernier point de fortune pour le passer... D'accord, en bah, vous faites les dégâts. Vas-y, fais une fureur. Non, c'est bon, je fais 9 quand même. Ça fait 15 ans que c'est pas mal. Pas tant que ça, parce qu'il retire la... chacun la... Ah, il galère mal en point, quand même. Hein. C'est une illusion, Sepp. Mets-toi devant lui, il fait... 80%. Alors... il continue de faire des grands gestes des bras, machin. Il dit, mais vous allez fuir! Fuyez! Non, en fait, c'est juste une grosse merde, mais il fait peur aux gens. Et ouais, c'est mieux à se battre, en fait. C'est ça. Bon, pour l'instant, ça a l'air d'être un poseur. Hein. Ouais. Pour l'instant, toi, tu réponds, mais tu vas crever, crève. Alors, ce que j'ai dit... Bistrot du chaos. J'ai dit tout à l'heure, c'est que c'était juste une grande gueule. Voilà. Oui, mais c'est vous qui vous êtes barré. Hein. Ouais. non, peut pas être parfait non plus. Hein. On lui fait croire qu'on se barre juste pour qu'il essaye non, de... Non, cherche pas. C'est que cette saleté m'a fait gagner mon premier point de folie, quand même. Oui, et t'es pas arrive, revenu de venger. Bah, j'aimerais bien, mais j'ai pas eu le succès. Alors que t'es probablement celui qui a le plus en force mentale, hein, de tout. Le MJ? Oui, alors, bon, bah, j'attendais juste que vous ayez fini. Bah, écoute, c'est pas compliqué, hein. Vous allez finir par le torcher, parce que vous avez bien compris qu'effectivement, il peut pas sortir de son cercle. Tant que vous rentrez pas dedans, bah, il peut pas vous toucher. Et en plus de ça, oui. Alors, je mets au point avec mon ami Sepp un plan pour dire que le combat était super héroïque. On a sauté partout, on a évité les coups et tout. On a réussi à le toucher, faire un salto arrière et tout. Quoi. On fait une belle description. Je suis couvert de merde, donc de toute façon, forcément, hein, j'ai sauté partout. T'as de la chance qu'on n'entende pas ça, parce que sinon, on l'appellerait Dormtal le mytho, en fait. Mais bon. Et après, quand ils vont revenir, on va vous appeler, tu vois. Eh, revenez, il est mort, hein, c'est bon. T'as été épique, mais on l'a eu. Hein. Ouais, mais j'hésite, tu vois, à faire ça parce que ils pourraient croire que je suis bon au combat, tu vois. Ouais, et comme ça, tu te mettrais juste derrière Dormtal. Hein. Si tu veux, tu dis que toi, t'as été la chèvre et que moi, j'ai fait tout le travail, si tu veux. Mais ouais, voilà, ça me va.
Bon, on va finir en vitesse. Ouais, bah du coup on a trouvé une fois qu'on l'a buté, on va demander quand même le retour du mage. Oui. Pour avoir son avis avant de toucher à tout ce qui est cercle, etc. C'est ça. Moi je rentre pas là-dedans tant que le mage il dit pas ouais c'est bon. Alors, quand le mage revient, tu sens que la puissante magie éthérique est partie. Alors il y a toujours des résidus, mais a priori la source de magie a disparu. Ah. Ouais, je dis au gars, good job, c'est clean. Alors, dans la pas pièce, grâce à toi. Ce que vous remarquez, c'est que dans un coin de la pièce, il y a un tas de... Alors, a priori, ils ont l'air... Quand je dis tout blanc, ils ont l'air d'avoir été nettoyés, quoi. Vous voyez quand même... Alors, non, en fait, ça a l'air d'être assez caractéristique. Le fait qu'il ait une hanche avec trois articulations, bah, ça a l'air de vous indiquer ce que c'est, quoi. Ah mais c'est ça a été rapide quand même pour nettoyer le gobelin quoi. Mais... Ah bah c'était un truc éthérique piranier. Okay, piranha, je me demande c'était hein, quoi la bestiole parce que lui il doit savoir. Un gobelin mutant. Ah non. Non, merci bon, le gobelin j'avais compris. Semblerait que ce soit une entité démoniaque. Ah merci. Heureusement que t'es là. Hein. Ravi d'avoir pu t'être utile. On a perdu notre MJ. ça fait vraiment mal, tu sais. Ah oh bah ça, c'est un gobelin. Ouais, mais ça, on le savait. Non, mais là, t'es bon. Ah bah ça, c'est un démon. Je veux dire, vraiment, Ariel, ma gueule. Merci, Captain Obvious. Justement, je me demande si Eman en Rai Club Spiel, ça veut pas dire Obvious en fin de réponse. Alors. Vous fouillez rapidement la pièce. Je vous conseille de prendre des notes. Alors, Je sais pas écrire. Oh, les relous. Donc, Oui. Alors, attends. Voilà, ça y est. Donc, il y a bien une espèce de buffet en fer qui se trouve sur le mur du fond. Devant, il y a une petite flaque de liquide sombre. Qui a coulé sur le sol, en fait, devant le meuble. Voilà. Un peu plus loin, dans un coin, vous tombez sur un mouchoir. C'est une espèce de mouchoir en soie, et il est gravé, enfin, il est brodé avec les initiales FS. FS ? Ouais. Fuck SEP. File System. C'est ça. FS, au centre... Ouais. Au centre du cercle, il y a toujours le crâne qui est posé, donc la créature, vous voyez pas très bien ça en fait. Moi je serais tenté de prendre le squelette. Si quelqu'un veut se rapprocher du crâne. Moi je serais bien à prendre un caillou et balancer un caillou dans le crâne, histoire de le faire sortir du cercle. Alors un caillou, tu vas chercher un détritus dehors, quoi. Oui, c'est ça. Ouais. Un truc Il y a pas beaucoup de caillou. Yeah. On prend le bras du nain, on le lance. Alors, quelque chose de pas trop vivant, ou qui a été vivant, de préférence. Ah bah tiens, tu peux faire un test de... C'était de connaissance de la magie, si tu veux. Comment, je vais faire ça. On aim. Sens de la magie... Connaissance académique. Magie. Essence académique magie. Succès. Okay. Pour toi, le cercle est devenu inactif. Hein. Le cercle est devenu quoi ? Inactif. Inactif. Bah, on peut piller les chandeliers en argent, tout. Je te regarde avec un grand sourire et je te dis, bah passe devant. Ok, bah j'y vais. Sûr de moi, j'y vais, je remets le crâne avec les os et puis... Ah bah c'est sûr que quand il n'y a plus personne, on est sûr de soi. Hein. Alors donc t'as... Tu vois en fait c'est un crâne de bestiole, alors pour la bestiole tu vois pas bien. Par contre tu t'aperçois que t'as une grosse tache de sang sombre, mais qui a l'air de cacher une inscription en fait. Alors tu commences à regarder un peu, à la frotter. Et tu lis un truc, c'est marqué Ordo Septenarius. Septenarius. Okay. Ce qui traduit en vieux Rexpil par merde à celui qui le lira. À mon avis, c'est Ordo quelque chose. Ça a été en
Parce que en fait, j'arrivais pas à retrouver mon onglet. C'est perfide un onglet. Hein. On peut estimer une traduction avec les connaissances langue classique ou Rexpel? Oui, bah c'est l'ordre de Septenarius. C'est entre Gryffondor et Certar, en fait. D'accord. Alors, certainement que Septenarius, il y a des chances que ça soit lié ou au Septentrion ou au chiffre 7. Au... Moi, je sais. Est-ce que ça peut être une mauvaise orthographe de Sep? Ouais. Allez vous faire foutre. Si ça se trouve, tu es en train de nous mener en bateau depuis le début. Ouais, je dois avouer que... Je déteste. Ça s'appelle un retour de bâton, mon petit bonhomme. On va lui retirer sa part, fuir, déjà, hein. Pour être sûr. Bah du coup, ça me fait tout pour moi. C'est bizarre, c'est la première fois que je vois un elfe avec une mentalité de nain, en fait. Mais bon, c'est... J'avoue. Ah, mais c'est marrant, je sais pas. Moi, j'aime bien, mais... Ah, je te dis quand même une chose, ton sens de la magie sent quand même quelque chose sur le crâne que tu as dans les mains, ami. Ah bah. Bah je repose le crâne. Et, en tout cas. Quand même. Hein. Le mec dans le crâne, il rayonne pas vraiment de magie, mais clairement à l'intérieur du crâne il y a de la magie quoi. Voilà. Ça s'appelle une cervelle, normalement. On peut voir un truc dans le crâne ou rien de particulier? Non, a priori, c'est vraiment dans les os du crâne, en fait. Bon, bah, je le repose. Le crâne est encore imprégné de magie, je signale aux autres. Ah, fais quelque chose! Ah, Berk! Oui, je le repose, tout à fait. Mais ça, tu peux pas retirer la magie de dedans Avec une paille, non. Par exemple. Je sais pas, ouais, par exemple. Avec ton bâton. Il faudrait rendre compte au juge Richter. On et peut il le brûler. S'y connaît en magie. Non, parce que c'est un sacré bordel et qu'il faut bien lui rendre compte. Ah bah, clairement, attends, on a vu un démon carrément dans les égouts de la ville. On va pas passer ça sous silence. Hein. Ouais, enfin, vous l'avez vu, vous l'avez aperçu, vous êtes barré. Ah, si, hein. Ouais, non, vous l'avez pas vu. Hein. Vous êtes barré. Hein. Ah si, on l'a bien vu et je vais en cauchemarder encore pendant au moins quelques nuits. Donc j'ai on l'a gagné bien un vu, point de folie. Ma feuille de personnage s'en souvient. Voilà, exactement. Non, mais qu'est-ce qu'il croit eux? Son caleçon aussi. Ah oui, de quelle couleur était son caleçon? Il avait pas de caleçon. C'était. Ah bah, c'est parce que t'as pas bien vu. Ah, c'était pas resté assez longtemps. Bon. C'est-à-dire qu'à la fin, il nous a supplié à genoux, nous disant « Faut pas me tuer, je suis une créature démoniaque, c'est ma nature, j'essaie de faire le bien quand même, malgré ma nature et tout. » Voilà, puis nous, on l'a achevé, quand même. Bon, Kranich et Onaim, on est bien d'accord qu'on a vu la créature démoniaque, on a pris nos jambes à nos coups, et apparemment, les deux, l'elfe et puis Sep ont été charmés par la bestiole qui les a certainement passés du côté obscur. Hein. C'est bien ce qu'on va déclarer. Mais c'est quoi, c'est quoi je prends mon épée. Ils sont toujours là et la créature a disparu, donc je sais pas trop quoi en penser. J'ai déjà pu affronter un démon par le passé, mais celui-là semblait plus puissant pourtant. Je prends mon épée et je l'essuie sur ta cape, Béatrix. Tu vois? Aïe, aïe, aïe. C'est de la tomate. C'est forcément du chiquet, vous voyez bien que c'est des effets spéciaux, c'est du ketchup, quoi. Bon, c'est vachement c'était bien donc fait toi, pour toi, du sang. C'était la référence à la tomate, putain. C'était donc toi. Bon. Est-ce que j'arrête là et on fera le reste après Ouais, alors, je pense. La seule chose que je voulais savoir, c'est qu'est-ce que vous décidez de faire et... Je dirais... On a retrouvé le gobelin, même si on a retrouvé que les os, donc... et puis on a un cadavre de nain à remonter, et puis on a surtout et à... Des os à remonter aussi. Il n'y a pas de porte qui mène au-dessus d'escalier ou quoi que ce soit, qui mène à une maison qui serait au-dessus par hasard. Non, on voit pas. Faudrait essayer de trouver l'égout la plus proche, en fait.
Oui, et puis et rapporter aux autorités de la ville que. Il y a un hangar pas très loin, enfin un hangar. Oh, enfin, donc il y avait des fumées aussi hein, du feu. Ça pourrait être un moyen pour ressortir depuis plus qu'une porte d'égout. Ça donnera un meilleur repère, hein, peut-être, je sais pas. Bref. Mais il a fallu quelqu'un pour faire le rituel. C'est bizarre qu'il nous ait échappé, surtout si la pièce n'a pas d'autre issue. C'est-à-dire qu'il est parti depuis avant nous. On est arrivé. Il a peut-être invoqué la bestiole, il s'est cassé. Ah, sinon on peut rester ici, se mettre en planque et l'attendre parce qu'il va sûrement vouloir revenir, le gars. Non, c'est pas impossible. On peut faire une souricière dans les égouts, on l'attend, et quand il revient, on lui tombe dessus. Hein. Moi, je serais plus pour prévenir les autorités et surtout aller prendre un bon bain. Et se faire payer. Mais même. Bah, en tout cas, on va ramasser tous les restes du gobelin, on va les mettre dans un sac, et puis on ira récolter l'argent après. Mais les chandeliers en argent, on les laisse pour les pièces à conviction. Non, on laisse rien qui puisse leur permettre de continuer leur refaire leur rituel. Hein. Ouais. Bon bah on les revendra. C'est-à-dire que le crâne, il va faut pas le laisser sur place. Hein. Si c'est un artefact, il faut aller l'amener à un temple qui soit détruit ou quelque chose, quoi. Je te regarde, hein, les deux, là. Le crâne, on va l'emmener au temple de Verena, comme ça. La question que je vais juste vous demander, c'est vous faites quelque chose avec l'armoire en fer dans la pièce ou pas? On va l'ouvrir. Ah, on va le fouiller, ouais, tiens. Bon, ouais. Bon, enfin, j'ai mis ça sur la fin de soirée, hein. Voilà, je me suis dit que j'allais vous le rappeler, hein. Mais voilà. Enfin, on étudie centimètre par centimètre, tu vois, on retourne tout. Plus il y a des doubles tiroirs, double fond, faux plafond, etc. Il essaie de vous dire le truc, clairement il est verrouillé. Cranique ? Et Elle devra pas mal, tu peux y aller. Attends, quand tu t'en rapproches, tu t'aperçois en plus qu'il a été verrouillé magiquement. Ah. Voilà. Et puis tu pars du principe que finalement un bon coup de hache remplace beaucoup de magie et vous arrivez finalement à fracturer le machin, après vous êtes acharné dessus. Les sagouins. Alors, ta hache, elle en a pris un coup quand même. Hein. Ouais, il va falloir que je fasse l'entretien à l'auberge. C'est ça. Ouais, quand il tape dessus, je gueule et je fais attention, elle a des ailes de chauve-souris. Tu vois comment il réagit. Oh putain. Alors... Je lui fais un sourire et je continue de taper. Dedans, tu trouves une espèce de crâne humain. Ah. Avec une bande de fer qui est riftée, une espèce de couteau sacrificiel qui est tout taché de sang. Et un plateau. Ok. on va ramener tout ça au temple de Verena. Bon. Je sais pas si c'est Verena. Hein. Ça dépend. Et pourquoi pas. Moi, ça, je dirais c'est au répurgateur le plus proche, mais. Je suis pas certain qu'il y ait des répurgateurs dans cette ville. Et en argent, tout ça, on fait fondre. Alors, clairement, Verena, ça peut faire le boulot. Hein. Clairement. Ça fait très bien le boulot. Hein. En plus, je connais maintenant la prêtresse du temple, donc oui, ça. Moi, j'aurais tendance à dire mort plutôt, peut-être. Alors, au moment où vous essayez de ramasser les os du gobelin, vous vous apercevez qu'il tombe en poussière entre vos pattes. Oh putain, 50 pièces d'or qui. Bon, on prend la poussière. Ah bah, on c'est le mage, il a tout détruit, il reste que de la poussière. Non, mais au moins on pourra dire au juge qu'il sera plus du tout emmerdé par le gobelin à trois pattes. Hein. La créature qu'on a butée, elle a pas laissé de corps en fait, elle a totalement disparu. Ah oui. Et ben on dira qu'elle a bouffé le gobelin. Et puis... Ouais. De toute façon, c'est ce qui lui est arrivé, il s'est fait bouffer s'il restait que les os. Hein. Au pire, c'est encore la foire, hein. Tu peux vendre ça, la poudre de gobelin à trois pattes, ça fait un puissant aphrodisiaque. Hein. Je suis certain qu'avec un peu de bagou, ça passe. Alors, j'ai un doute sur le fait de faire ça. Un gobelin bouffé par une créature du chaotique ou démoniaque ou je sais pas quoi, vendre ça en pleine foire, je suis pas sûr que ce soit la meilleure idée qui soit. Hein. On ramène tout le matériel d'invocation au juge, les bougeoirs, les bougies noires, etc., etc., et puis on lui dit ce qui s'est passé, voilà. On prévient le juge, par contre, le matériel d'invocation, je serais d'avis de mettre au temple de Verena, comme ça, au moins, on est certain que il y aura de quoi confiner le truc, voire le détruire avec moult cérémonies. Parce que le juge, il rend la loi, mais quand on va leur ramener tout ça. Je sens que ça va leur faire leur journée au temple et au juge, là. Exact. Ils vont nous détester. T'inquiète, c'est déjà le cas. Ça me fait pas peur. Bon, bah, pas de paye.
Bah si, bon. On peut justifier du fait qu'il sera plus emmerdé par le gobelin. En tout cas, ouais, le champion de Buganafen a encore frappé. Alors, je vous annonce juste quand même qu'au moment où vous sortez de la pièce, les deux crânes sont tombés en miettes. Et le crâne... Le crâne humain et le crâne de bestiole. En quoi les deux crânes? S'en sort en miettes. Bah, ils tombent en, oui. tombent en poussière, dès qu'on sort de... Il y a une marque sur les cerclages de fer autour du crâne humain. Bah, aussi étonnant que ça puisse pas, tu t'aperçois que il disparaît aussi. Ah, d'accord. Ouais, tu manges... Oui, pardon. Il disait aussi surprenant que ça puisse pas, tu t'aperçois ouais. qu'il disparaisse aussi. Ouais. Donc en gros, on est rentré dans une pièce, on a fouillé, on a trouvé plein de choses, on sort de la pièce, on n'a plus rien. C'est super. T'as un plateau d'argent, t'as un couteau sacrificiel avec du sang et des trucs là-dessus. Le plateau d'argent, vous l'avez. Bah, il nous faudrait le fromage et le vin aussi. Ça c'est quoi la différence entre une dague sacrificielle, une dague et un coupe-papier? Bah, certainement le fait que sur la dague sacrificielle, il y a du sang pour l'instant. D'accord. Avec un coupe-papier, ça égorge difficilement quand même. Ou alors, faut vraiment être dégueulasse. Quoi. Ouais, j'en ai un chez mes grands-parents. Avec une décoration serpent, ça m'a toujours fait flipper quand j'étais gamin. Mais voilà.